Maison, re-bienvenue. Regardez, Choco, il est toujours en forme, hein. Il s'est pas arrêté. Hein. Depuis que vous êtes parti, il est chaud bouillant. Et ouais. Moi aussi, c'est pareil, le public aussi. Ça y est, c'est l'heure de la finale du tournoi League of Legends, Choco. Exactement, la finale de l'étape 2 du League of Legends Nexus Tour France, mesdames et messieurs. Et nous avons deux belles équipes qui s'affrontent. Ouais, ouais. On a d'un côté Cicadas, qui était l'équipe qui était là juste avant, et ils ont leurs deux structures Valorant et League of Legends qui se sont qualifiés pour la finale. Donc ça, c'est incroyable, qui seront contre eux, Sentinel. Exactement. Très belle équipe ici, avec deux streamers que vous connaissez bien, je pense, vous les verrez sur scène tout à l'heure. On va appeler les deux équipes, on va commencer par Cicadas. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tour d'applaudissement pour l'équipe Cicadas. Avec Lorenz, avec Godolpenny, avec Louis, avec Kiki, avec Drani. Incroyable, l'équipe de 5. Restez un peu. Ils sont direct. Ah, ils veulent cliquer. On va cliquer, vous inquiétez pas, ça va cliquer. Restez un petit peu, il n'y a pas de souci. Tranquillement. Un petit mot, Blasios. On m'entend là? Oui, c'est bon. Okay. Donc toi, tu es le manager d'équipe, si j'ai bien compris. Comment? Tu es le manager de l'équipe, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, on fait un petit peu tout. Enfin, ouais, voilà, c'est la casquette. Pas besoin de plus. Exactement, multi-casquette. Comment vous avez préparé cette finale? On n'a pas vraiment préparé. Ouais, vous allez au feeling? On y va au feeling comme depuis le début de la LAN. D'accord. On joue avec deux remplaçants. Ok. Apparemment, c'est passé. Ok, il y a une bonne émulsion qui s'est créée. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que dans League of Legends, c'est important hein, d'avoir des duos, même des trios qui jouent ensemble. C'est ça. Et là, ils se sont bien trouvés, du coup. Voilà, c'est ça. On a récupéré des joueurs. On n'a pas récupéré n'importe qui, on va dire. Ouais, des bons joueurs. C'était des recrutements intelligents pour cette fois. Et ils l'ont prouvé depuis le début. Et on va continuer d'upset. Eh bien, c'est incroyable, mesdames et messieurs. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Cicadas, vous pouvez aller prendre place, mes loulous. Ouais, allez-y, c'est bon, allez-y. Les amis. Allez-y. Ah, ils veulent cliquer, hein. Ils veulent cliquer. Ils n'ont pas le temps. C'est League of Legends, mon ami. Ils n'ont pas le temps. Mesdames et messieurs, contre Cicadas, je vous demande de faire, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe Sentinel. L'équipe Sentinel, composée de Blade, de AZ, de Melon, de Chape et de Toby. Aïe. Bon, Melou, comment ça va? Bah, ça va. Ça s'est bien passé? Viens tranquille, comme d'habitude. Bon, t'es un habitué un petit peu, tu connais bien les LAN, Chape. Comment vous avez préparé un peu ce tournoi? Bah, on s'est entraîné, on a fait quand même pas mal de scrims et tout. Première étape Open Tour, on a fait top 4 et puis là, bah, on est arrivé en finale. Ok, bon état d'esprit. Ouais, franchement, on part confiant. Ouais, bon, bah écoutez, je vais vous laisser vous installer. Je vois que vous êtes trop chaud. Ouais. Vous avez envie de jouer. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Sentinel. Ils vont s'installer. Merci. Hop. Ah, il y a le fan club. Hein. Là, il y a le fan club. Il y a le fan club. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que serait une game de n'importe quel jeu sans nos casters? Nous faut deux goats. Nos petits casters, Sniff et Ghana, Luffy, est-ce que vous êtes là? On est là, on vous entend super bien, on vous reçoit 5 sur 5. Vous allez bien, salut tout le monde, on va super bien, on est là pour commenter cette super grande finale qui s'annonce absolument explosive entre deux équipes qui ont travaillé, qui ont cravaché tout le week-end pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ils sont là dans cette grande finale pour tout donner. Les Cicadas contre les Sentinelles. Je suis Sliff, je suis accompagné de Ghana. Comment ça va, Ghana? Est-ce que tu es bouillant pour cette grande finale? Bah, carrément, hein. De toute façon, deux grosses équipes, hein. Cicadas et Sentinelles. Hein. Cicadas qui ont remporté juste avant la finale de Valorant et qui là prétendent au titre de finale vainqueur de la finale de League of Legends. Vainqueur de la finale de League of Legends, exactement. Donc vainqueur de cette deuxième étape du Nexus Tour. Des points qui sont très importants à aller prendre pour jouer en fait la qualification à la fin et les up and down potentiellement pour se qualifier en Div 2, la Div 2 nationale League of Legends. Et donc aller chercher ces points ainsi que les 5000 euros de cash prize, évidemment, certainement pas à oublier, Ghana. Et oui, comme l'a dit les casters, c'est une grosse étape, c'est une porte d'entrée pour le monde professionnel de League of Legends. Bien, Sliff, Ghana, Luffy, on vous laisse la main. Allez, c'est parti, merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, c'est parti pour le tournoi de League of Legends, l'étape 2 du Nexus Tour.
On est parti du coup pour cette grande finale. On espère que vous êtes tous bouillants ici dans la salle parce que nous on est ultra chaud et on va tout donner pour caster ces deux équipes qui, comme on l'a dit, sont là depuis le début du week-end. Elles sont fatiguées, on a beaucoup joué, on a beaucoup enchaîné les matchs depuis le début de ce week-end. Et puis là, c'est l'apothéose, c'est la cerise sur le gâteau. Il faut aller chercher ce dernier BO3, puisqu'on le rappelle, c'est un BO3. Il faut gagner 2 à 0 ou 2 à 1, si c'est un petit peu serré, pour aller chercher cette victoire. On vous l'a dit, Cicadas contre les Sentinelles. Ça va être maintenant, ça va être tout de suite. On va pouvoir très bientôt rentrer dans la draft. Il me tarde de voir un petit peu ce qu'on nous a concocté comme champion. Ah ben là, j'imagine que on va peut-être pouvoir ressortir les classiques côté Sentinelle, hein, plus du côté de Chap aussi, qui aime bien pique du brandu du Nocturne en jungle. On l'a déjà vu en plus, ouais, dans les games juste avant. Et en plus, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, Sentinelle qui ont gagné la LEL il y a quelques mois. Tu fais bien de le préciser, c'est une super transition aussi, puisqu'en fait, on parlait de l'enjeu des Cicadas, qui eux, ils viennent de gagner Valorant à l'instant. Donc ils sont chauds bouillants, leur équipe Valorant a gagné, il faut que leur équipe LoL gagne aussi, ça ferait la doublette sur cette Gamers Assembly, ça serait absolument incroyable. Mais du côté des Sentinelles, on a aussi une super histoire à écrire, puisque la précédente LAN, la précédente grosse LAN de League of Legends qui a eu lieu à Lyon, c'était il y a un peu plus d'un mois, la LEL qui est organisée par une super équipe au sein d'une école, ils l'ont gagné tout simplement avec cette équipe des Sentinelles, donc ça serait une doublette aussi de leur part, deux LAN d'affilée, ça serait absolument incroyable. Bah carrément, et puis surtout que là du coup, deux équipes, deux gros enjeux, on a une histoire à marquer en tout cas sur cette finale de League of Legends, et qu'ajouter de plus, hein, on va avoir une game de fou. Qu'ajouter de plus, on peut déjà un petit peu parler du style de jeu de ces deux équipes. Alors pour présenter d'abord un petit peu les Sentinelles avec évidemment les têtes d'affiche que vous connaissez, Melon et Chap, on a des pics de cœur évidemment dans cette composition, on les connaît un petit peu, on les connaît les différents pics de cœur, mais en fait on va se baser beaucoup sur un style de jeu qui est du front to back. On veut build up une bonne front lane et à partir de là avoir des bons carries derrière pour pouvoir dérouler le fight tout du long et éliminer l'équipe adverse au fur et à mesure, avoir vraiment des bases solides, fight à 5 et établir une bonne composition fight comme ça. Du côté des Cicadas, on a tendance à avoir un gameplay parfois un peu plus exotique. On a tendance à avoir des picks qui vont être un petit peu plus surprenants pour aller chercher la surprise chez l'équipe adverse, surprendre et évidemment profiter de cet effet-là pour snowball la partie et essayer de la terminer le plus tôt possible. Bah, totalement, et puis surtout qu'on avait déjà vu Sentinelle qui était sur une win streak de fou furieux, du coup avec tous les matchs qui sont passés sur cette compétition. On a Cicadas aussi, qu'on a pu pas mal cast aussi de l'autre côté, ouais. Avec beaucoup de stratégie, beaucoup de macro pour le coup. On était très très, très très au point sur ce genre de choses et ça peut annoncer une finale de fou. Par contre, mon petit Sliff, est-ce que tu entends le public toi? On n'entend pas beaucoup le public, effectivement, il va falloir vous chauffer puisque là on va pouvoir démarrer, ils attendent que ça, ils attendent que vous pour démarrer cette draft, il faut leur donner de la voix et on n'est pas tout seul évidemment à leur donner cette voix, on vous entend, vous êtes chaud bouillant, c'est génial, merci beaucoup. D'autant plus que on a quelques petites informations en plus à vous donner aussi. On a eu quelques petites coulisses de ces équipes. Vous pouvez évidemment retrouver, on a fait des interviews de différents joueurs. Vous pouvez retrouver sur notre Twitter, sur le Twitter du StudentGN. On a fait notamment par exemple une interview côté Sentinelle avec Melon qui a bien voulu répondre à nos questions. Merci à lui. On a eu aussi le président, le CEO de cette équipe des Sentinelles qui donnera je crois la parole un peu plus tard cette semaine sur notre chaîne YouTube pour parler un petit peu du projet. Dont il est à l'origine. Voilà, donc tout ça c'est du contenu un petit peu à part que vous pouvez retrouver évidemment et on vous invite à aller voir parce que c'est intéressant. Ah ouais, et puis en plus du coup ce sera effectivement comme tu le disais la semaine qui va arriver, là on va avoir sur le YouTube le CEO de Sentinelle, donc en tout cas on va voir le projet Sentinelle, on va en parler un peu plus en détail etc, donc ce sera vraiment une très belle occasion, mais en tout cas on va je pense très bientôt rentrer en cette game. Ouais, tout du moins, on peut rappeler rapidement un petit peu l'enjeu puisque on est encore une fois donc sur cette étape Nexus Tour, donc la deuxième étape du Nexus Tour. Il y a déjà eu la première qui avait eu lieu il y a un peu plus d'un mois. On veut gagner des points. Je crois que c'est 400 points
400 points pour le premier, si je ne dis pas de bêtises, 250 points à accumuler pour le second, donc on a quand même une grosse différence. Et évidemment, ces points à la fin, pour vous expliquer un petit peu le format, ces points à la fin sont cumulés entre toutes les étapes d'Open Tour. Je crois qu'il y en a au moins 5, voire, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble qu'il y en a au moins 5. Et donc on accumule tous ces points des équipes pour définir un top qui va participer au play-off et ensuite avoir ces équipes qui vont se disputer des BO en play-off et avoir les deux premiers qui iront contester les deux dernières équipes de la Division 2 nationale. Si elles gagnent, elles sont qualifiées en Division 2, elles prennent leur place et on sera plutôt très satisfait. Ça voudra dire qu'on aura fait une année couronnée de succès, on aura fini top 2 de ce Nexus Tour, on sera qualifié en Div 2. Et on pourra ensuite aller s'exprimer parmi les meilleures équipes françaises, puisque la Div 2, on est quelque part quasiment sur. On est aux portes de la LFL finalement. Ouais, bah ouais, c'est ça, hein. C'est juste avant la LFL, etc. Tout ce qu'il y a dessus, évidemment, avec la LEC. Bon, c'est toujours. C'est très loin pour l'instant, mais en tout cas, ouais. La Div 2, c'est vraiment l'enjeu de cette étape du Nexus Tour. On voit justement les petits joueurs qui commencent, qui sont installés. On va bientôt rentrer en draft, là, c'est imminent. En tout cas. Poignée. Ah ouais, bah non mais clairement, là il va falloir cliquer très très fort. Et en plus, du côté de Cicadas, on avait justement des compos très adécentriques. Je me demande s'ils vont garder la même stratégie contre Sentinel. Alors, ce qu'on a vu, on peut parler un petit peu des champions qu'on a beaucoup vu aussi pendant ce week-end. C'est vrai que tu parlais des adécentriques, Jinx. Jinx est un champion extrêmement prioritaire sur cette LAN, sur ce week-end. On l'a beaucoup retrouvé, piloté dans les mains des différents AD carry qui ont joué pendant ce week-end, parmi les meilleurs. Et effectivement, c'est un AD carry qui a besoin, on en a parlé un petit peu plutôt, de front lane, grosse front lane, un support, un support enchanteur qui va lui permettre de s'exprimer encore plus à cette Jinx, de lui assurer quelques outils utilitaires pour qu'elle s'en sorte le mieux possible. Ou alors de la frontline, du support à engage, puisque le support à engage fonctionne aussi très très bien. Nautilus, Thresh, ce genre de choses, ah ouais, qui vont à la fois aussi pouvoir pile un petit peu cette Jinx, ça fonctionne très très bien. Ouais, effectivement, et puis justement la dernière game de Cicadas, c'était justement ça, on avait une Jinx, on avait un Thresh ou Nautilus support, ouais. Et derrière en top, on avait que du pile. Ah oui, non, c'était Lulu. Très, très, très bon pilote. Lulu, et Lulu finalement, en plus, qui est, moi, alors personnellement, je m'attendais à avoir plus de. Au vu de comment Jinx est revenue dans la méta, puisque Jinx a reçu un up sur ses derniers patchs, elle est pas mal revenue dans la méta. Les items aussi qui ont été un petit peu reforgés, on n'a plus les items mythiques, vous le savez, on a changé un petit peu, on a switch de méta avec l'off-season, etc. Donc Jinx est revenue au devant de la méta. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de support enchanteur. Alors il y en a, mais peut-être pas autant que ce à quoi on pouvait s'attendre. On a toujours aussi beaucoup de support à engage, de la REL, du Nautilus, du Thresh pour les joueurs les plus expérimentés et qui ont envie de montrer un peu ce qu'ils valent. Voilà. On a des supports assez diversifiés finalement. Ouais, c'est ça. Et puis surtout des top lane. Alors c'est soit on part sur une compo vraiment, on a un enchanteur support, du coup peut-être un tank top pour justement avoir un petit peu plus de tankiness. On a très souvent du DPS en mid. On avait eu un Way justement la game d'avant qui évidemment fonctionne très très bien, très très fort pour aussi décaler sur la bot lane. Donc toujours des picks extrêmement confort pour mettre bien notre ADC. Et du côté de Sentinel, on a une stratégie un petit peu plus différente pour le coup. Oui, on en a parlé. Sentinel, c'est beaucoup de front to back. Cicadas, pour revenir un petit peu sur eux, parce qu'on a parlé un petit peu du style de jeu de beaucoup de Sentinel. Cicadas, on a eu l'occasion de commenter leur demi-finale hier qui les opposait face au Skill Camp. Et honnêtement, ça a été une rencontre qu'ils ont menée d'une main de fer. Ils ont gagné 2-0. Les Skill Camp qui avaient montré de très belles choses depuis le début de la LAN, eux aussi. Et qui pourtant se sont inclinés face à des Cicadas qui ont été impériaux, notamment une game 1, on se souvient, qui avait été absolument dévastatrice. On avait mené un plan de jeu de A à Z pour les Cicadas. Ils l'avaient tenu dès la minute 1. On avait préparé en fait une invade, un move très spécifique sur League of Legends qui leur a permis de prendre un avantage de fou sur la bot lane et sur le jungler dès le début de la partie, dès la minute 1, avec une préparation qui, ce move-là, il était préparé depuis des dizaines de minutes déjà. Ouais. On l'avait vu venir, on a mis en place ça et on a réussi à dérouler ensuite tout le reste de la game, toute la suite de la game. Ça s'est super bien passé pour eux, ils nous ont montré de très très belles choses, mais on les a sentis extrêmement préparés et prêts vraiment à détruire leurs adversaires, à ne leur laisser aucune chance avec des stratégies vraiment très élaborées. À en découdre, hein, tout simplement. Et puis, c'est justement le but aussi de cette GA.
c'est de, d'en découdre avec les adversaires, de se faire, ouais. de se faire bagarre. Là, ouais, bah, on va bientôt partir en plus. Hein, donc là, clairement, je sens que les joueurs sont chauds, mais à la fois aussi stressé parce que c'est hyper important comme, comme game, surtout la première. Tu fais bien de le rappeler, Ghana, parce que on arrive à un stade de la LAN là où on n'a pas seulement, on ne parle plus uniquement de paramètres de skill, de mental et de, on va dire de vision de jeu, ce genre de choses. On a d'autres paramètres, on a le paramètre de fatigue qui rentre en jeu, on a le paramètre de la scène, du stress qui rentre en jeu. C'est des paramètres qui sont très importants à prendre en compte. On sait qu'on a des gens qui sont un peu plus habitués que d'autres que la, sur la scène par rapport à certains parmi les équipes. Est-ce que ça peut jouer? Évidemment, le fait, pour revenir sur le paramètre fatigue, on joue depuis 3 jours, les joueurs ils dorment peu. On est dans des salles, dans les halls, ça chauffe, il fait très chaud pendant la journée. On est dans des conditions où la fatigue s'accumule très vite. Et là, on est sur le dénouement de ce week-end. Il faut tout donner. Et ces paramètres, évidemment, vont avoir une incidence sur le BO. Ah, totalement. Et puis surtout, il va falloir garder le mental. Il ne faut surtout pas se laisser abattre pour le coup. Et vraiment, ça va être excellent. Ça va être fabuleux, ça va être fabuleux. Alors, on pense, enfin, je suppose qu'il y a des petits soucis techniques au niveau de la régie. Mais rien de bien méchant, très certainement. Les drafts devraient arriver très bientôt. On a les coachs qui sont en place, prêts à mettre en place toutes les stratégies dont ils ont pu discuter. Et on espère qu'on va pouvoir appliquer ça du mieux que l'on peut. Alors, la question, c'est quelle équipe va arriver à amener l'équipe adverse sur son propre terrain? Puisque hier, pour le coup, les Cicadas, ils ont très très bien réussi en demi-finale à amener l'équipe adverse, qui était pas des moindres, hein, sur leur terrain. Et à complètement les mind control, les faire jouer sur leur terrain de A à Z, appliquer leurs conditions de victoire qui étaient très bien définies et finir par l'emporter. Est-ce qu'on va réussir à faire ça aujourd'hui de même pour les Cicadas, ou est-ce que les Sentinelles vont réussir à répondre, vont faire parler un petit peu l'expérience, le sang-froid que peuvent avoir des joueurs comme Melon Chap qui sont habitués des LAN pour réussir à driver les joueurs? Drive notamment l'ADC, puisqu'on a eu un petit peu des petits insights. L'ADC des Sentinelles qui est absolument incroyable. C'est le joueur qui a de la voix dans l'équipe. C'est le joueur qui, dès qu'il va y avoir, qui va pop-off. C'est le joueur qui pop-off. Ouais. Quand il y a un bon play, il est là, il donne tout, il a l'énergie. Et parfois, évidemment, il faut garder le sang-froid. Il faut continuer de garder la tête froide pour rester le plus efficace possible dans la suite de la partie. C'est le rôle des autres joueurs de cette composition Sentinelle. On espère que ça va bien se passer pour eux, en tout cas. Ah ouais, bah complètement. Et puis de toute façon, tu le disais, hein, l'ADC des Sentinelles qui a de la voix. Oui. Hier, on l'a bien entendu. Justement, on n'avait pas regardé la game, mais pourtant, on savait qui avait gagné. Oui, en plus, c'est quelque chose de très marrant. C'est que nous, on était, pour vous expliquer, on était dans le hall, donc, des jeux Riot avec League of Legends, Valorant, TFT qui se jouaient, et dans notre petit box stream, on entendait très régulièrement les joueurs gueuler autour de la LAN, même les games qu'on castait nous-mêmes, vu qu'on a 3 minutes de délai sur ces games. Parfois on était spoilé, on entendait des petites piques qui partaient, du petit trash talk qui fait évidemment plaisir, et évidemment nous, ça nous spoil, mais on en rigolait plus qu'autre chose, et c'est très marrant de voir les joueurs dans ce genre d'état. Mais évidemment, le tout à la fin, c'est de garder la tête froide et puis de conserver ce momentum. Ça peut, c'est le but du trash talk, c'est d'un petit peu aller chercher, tu vois, titiller ton adversaire gentiment. Évidemment, ouais, dans le respect des règles, dans le respect de l'art. Mais aller titiller un petit peu ton adversaire, le déstabiliser sans te déstabiliser toi-même. C'est ça aussi la question. Il ne faut pas non plus que tu ailles dans un état où tu vas te sentir pousser des ailes et tu vas commencer à faire des mouvements que tu ne devrais pas faire, potentiellement du grid, ce genre de choses. Ouais. Il ne faut pas tomber là-dedans non plus. Ça peut être aussi un enjeu. Non, effectivement. Mais je pense que là, pour le coup, sur cette scène, avec Sentinelle et Cicadas de l'autre côté, on est... Enfin, ça m'étonnerait qu'on soit dans cet état d'esprit. En tout cas, c'est quelque chose de très, très structuré des deux côtés. On a de l'appel, on a des shot calls, on a des plans de jeu assez définis en général. Surtout, ce qui m'intéresse énormément, en fait, c'est vraiment la draft qui va y avoir, parce que pour le coup, on a l'habitude que Sentinelle et Cicadas aient en général les mêmes plans de jeu et les mêmes réponses au pic en général. Je ne sais pas si ce sera pareil. Je ne sais pas si déjà on va laisser open les pics
de Chap et justement de notre ADC de chez Sentinel, ouais. Open, quoi, parce que c'est quand même deux personnes très dangereuses et surtout une Jinx. La fameuse Jinx, ouais, on en parlait. Bon, alors il y a évidemment pas que ce champion. En mid lane, on a aussi, on peut parler d'autres champions qui dominent actuellement la méta. Ahri. Oui. En mid lane, comment ne pas parler de ce champion? Alors c'est un champion un peu plus, c'est un peu différent de Jinx pour le coup, puisque Jinx, tu peux mal démarrer ta partie. Ça, le champion, ouais, scale extrêmement bien, et si tu arrives à récupérer un petit peu des ressources par-ci par-là, même si tu fais pas un début de partie sensationnel, tu pourras scale et tu pourras ensuite distribuer les patates, distribuer les roquettes en l'occurrence, et au bout de 30 minutes de jeu, au bout de 3 items, ça fait vraiment le taf, ce champion. Ahri, c'est un petit peu différent. Le champion a besoin de snowball. Entre de bonnes mains, le champion est extrêmement fort, c'est sûrement un des midlaners les plus forts de la méta, mais attention à ne pas tomber derrière, parce que si tu tombes derrière, une fois le mid game passé, tu peux avoir beaucoup de mal à t'exprimer avec ce champion. C'est pour ça qu'il n'est pas à mettre entre toutes les mains. On sait que nos 2000 laners aujourd'hui, pour le coup, la maîtrisent assez bien. Mais on verra si on arrive à quand même justement aller trouver une réponse à ce champion. Peut-être qu'on l'attend finalement dans une de ces deux équipes. Peut-être qu'on a bossé pour aller chercher un champion qui peut la contrer. La Annie, par exemple. Bien sûr. Bah, la Annie, champion, justement, évidemment, très one shot. Hein, on l'a déjà vu, hein, dans ce genre de game. C'est vraiment... Généralement, c'est lié avec beaucoup de chain CC, hein, que ce, ouais, soit du Thresh, une Lulu ou quoi que ce soit, des trucs qui vont vraiment enchaîner et permettre de faire full dégâts sur un teddy bear. Ça s'est venu comme ça. Et ouais, effectivement, ça peut être assez intéressant, surtout que Ahri rentre extrêmement bien dans Wai. Donc ça peut être aussi une petite stratégie aussi pour contrer la menace Cicadas du côté Sentinel. Je pense qu'on y a quand même réfléchi. Et que, ouais, là... je me fais pas de soucis là-dessus. Surtout qu'en plus, c'est intéressant si on a un Picani ici, puisque le Picani est... sûrement un des picks mid lane qui joue le plus. On va dire que tous les picks mid lane jouent évidemment avec leur jungler. Il faut une très bonne synchronisation entre le jungle mid pour que, eh bien, le duo et la suite de la game puissent fonctionner. Mais Annie particulièrement, avec un jungler synchronisé un petit peu et avec qui tu communiques bien, ça fonctionne très très bien. Annie, oui, qui est un champion qu'on n'avait pas vu depuis des années en mid lane. Bah, on la voyait beaucoup support, on la voit plus en mid lane. C'est ça, en fait le truc c'est que le perso n'avait pas reçu de changement excellent ouais, depuis un bon moment. Il y a eu tous les changements d'items mythiques, etc. Ensuite ils ont été enlevés. Il y a eu le re-up il y a quelques mois ou un an à peu près. Ils ont rework un peu le champion. Deux ans, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'était quand même... C'était à deux ans ? Il y a un petit moment. Je vais pas m'avancer sur les deux ans, je t'avoue. Je connais pas les patchs Riot par cœur sur tous les vieux. Mais en tout cas, c'était il y a quelques années, ouais. Mais ce rework, au final, qui n'avait pas forcément permis à Annie, à ce moment-là, de s'exprimer sur la mid lane, on l'avait pas forcément plus vu que ça. Non, mais ouais, la méta actuelle, peut-être le rework des items aussi, puisqu'on rappelle... Avec l'off-season là, qui est arrivée, la pré-saison de League, ouais, of Legends, on le rappelle tous les ans, Riot aime bien un petit peu changer son jeu, bousculer un petit peu le système actuel du jeu. Cette année, ce sont les items qui ont été bousculés. On était sur une base d'items avec... Tu achetais un item puissant en début de partie, et sur la base de cet item, tu achetais la suite de ton stuff, et ce stuff-là, on va dire, avait apporté des caractéristiques supplémentaires à ton premier item. Sauf des persos comme Ezreal, qui ne respectaient pas, oui, ça du tout. Bon, il y avait certains persos, évidemment, il y a toujours des exceptions. Mais en gros, c'était ça. Riot a décidé de supprimer ce système, de revenir sur un système comme à l'époque, comme à l'ancienne, où tu achètes absolument tous les items que tu veux, peu importe l'ordre. Tu n'as pas forcément d'items, comme on appelait, mythiques à acheter en premier. Ah. Et ça se passe plutôt bien. Mesdames et messieurs, trêve de plaisanterie. Nous sommes rentrés en draft. Enfin, nous sommes rentrés en draft. Entre donc les Cicadas et les Sentinelles, et les premiers bans sont tombés, Ghana. Ouais, effectivement, et puis là on voit directement un H, Zeri qui sont des picks très très bons pour le coup du côté de Cicadas. On a déjà vu une Zeri on fire sur les dernières games qui faisait vraiment un taf de fou furieux. De l'autre côté on a ban le Nocturne de Chap, évidemment, on le, ouais, laisse pas le jouer, il a déjà été assez convaincant dessus sur toute cette LAN. On a ban aussi ce petit Lucian assez sympathique pour un ADC pour éviter un petit beaucoup, peu je pense. Beaucoup de bans sur les ADC finalement, on, ouais, se focus pas mal, ouais, ouais, sur cette bot lane. On n'a pas envie de laisser n'importe quoi en termes d'ADC parmi les deux AD carry. Le Nocturne, tu en as parlé. Il faut savoir que Chap d'ailleurs est sur cette LAN et sur un KDA quasi parfait. Il est mort très très peu de fois pendant, ouais, toute la durée du week-end. Donc un joueur clairement à surveiller du côté des Sentinelles qui sait faire la différence, notamment en début de partie. Et la Jinx qu'on présentait, qui ne sera pas
de cette première partie non plus. Bah, trop dangereux en fait, le pic est juste vraiment extrêmement fort. Il a fait de nombreuses fois ses preuves sur cette lane et évidemment on va pas le laisser open, on va jouer la sécurité et éviter de laisser des choses comme ça prendre le devant sur cette scène. Et on va avoir notre premier pick, Orianna en blind. Là, Orianna, on part déjà sur une base très 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 bien très bien implantée de front to back. Là, Orianna c'est le champion front to back par excellence. Ouais, en plus, la relle, on l'attendait hein, du côté de Cicadas, évidemment, le flex pick par excellence. Ouais. Évidemment, donc là, soit jungle, soit support, on va pouvoir un petit peu jouer sur cette zone d'ombre pour Cicadas. Et évidemment, Sentinel qui prend un pick comme Orianna, justement pour éviter d'avoir aussi des teamfights un peu trop one-sided. Essayer de aussi pouvoir éliminer et isoler des personnes comme les ADC, etc., qu'on peut retrouver dans ces ultis assez facilement en soi. Complètement. Et en parlant d'ADC, justement, on a pick la Kaisa, on a pick la Vayne, deux AD carry, on va dire, qui vont aller dans le tas, qui vont aller dans la mêlée, qui vont prendre des risques, mais high risk, high reward, puisque ce sont deux AD carry qui peuvent littéralement oblitérer les rangs adverses s'ils sont pilotés par de bonnes mains et si on les laisse un petit peu trop se balader dans le fight. Le Rakan pour accompagner cette Vayne. On lock le Vel'Koz, on était en train de le pré-pick, on va le lock ce Vel'Koz. Ça sera un match-up Orianna contre Vel'Koz. Qu'est-ce que tu en penses de ce match-up Orianna-Vel'Koz, Ghana? Le match-up Orianna-Vel'Koz est un peu compliqué dans le sens où tu as la range avec Vel'Koz, tu peux toujours poke, ça fonctionne très très bien. Mais le truc, c'est que contre une Orianna, c'est surtout compliqué dans le sens où elle peut totalement te cancel son ulti avec le sien. Et on peut surtout se faire go-in plus vite qu'on ne le pense en réalité. Même si pour le coup, je donnerais l'avantage du match-up à Vel'Koz. Ouais, petit avantage de range pour le Vel'Koz. Cela dit, je pense quand même que la Orianna a l'avantage du push en early game. Oui. Parce que ton Q-spell a un cooldown très faible. Tu ne consommes pas non plus énormément de mana. Donc tu vas pouvoir, Melon va pouvoir push les waves assez facilement en early. Et potentiellement bien setup son jungler. Lui faciliter un petit peu la vie, potentiellement aller chercher les camps de la jungle adverse et déranger un peu ce Vel'Koz. Une fois le chapitre perdu, bon, là le Vel'Koz, pense, reprend. Je ne suis pas expert du match-up, mais le Vel'Koz reprend, je pense, naturellement l'avantage. Généralement, c'est Vel'Koz va mettre 3 points dans son Z, va dépêcher les waves et puis il va pouvoir décaler. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Surtout du côté de Cicadas, hein, en fait, le but à chaque fois des picks, c'est vraiment d'annihiler les waves, comme ça on peut décaler sur cette botlane. Je pense que là c'est encore une fois ce qu'essaye de mettre en place Cicadas, hein. On l'avait déjà vu avec un pick comme Way qui pareil oblitère les waves. Là c'est sûrement ce gameplay qu'on veut reprendre et justement on va avoir Xinzao et Vai en deux junglers. On se focus pas mal sur la jungle, pas mal sur la top lane. On sait toujours pas où va aller cette rel, mais désormais en fait avec ce pick Viego on en a quasiment la certitude. Ça va être une rel support, mesdames et messieurs. On se posait la question, est-ce que ça allait être une rel jungle, est-ce que ça allait être une rel support? Oh, le chain et le chain top lane, très très bon blind pick. On la joue safe, on dévoile pas trop, et le chaîne qui peut recevoir pour le coup, qui peut à peu près jouer contre n'importe quel match-up, il pourra jouer safe, il pourra jouer agressif en fonction du match-up, ça devrait bien se passer, il sera là pour utiliser son ultimate dès le niveau 6 et apporter beaucoup d'impact et de l'aide à ses teammates. Puis surtout, il va falloir ne surtout pas sous-estimer ce chaîne en early game, parce qu'on connaît très bien chaîne niveau 1 qui met des trades à la pointe des immortels, qui mettent des mid-life. Le Zac, j'aime beaucoup, on est sur du front-to-back, voilà, on en parlait en attendant cette draft, le front-to-back des sentinelles, il est là. Cette Vayne et cette Orianna qui seront en backlane, qui seront là pour follow-up l'engage de ce Shen et de ce Zac et de ce Rakan. En face, on a un flanqueur, on est sur une composition avec un petit peu plus de flank, un peu moins front-to-back pour le coup, puisqu'on a ce Viego qui va vouloir flank, on a potentiellement aussi ce Gragas qui va vouloir jeter un flux explosif dans la mêlée pour ramener les bonnes personnes vers son équipe. La Kaisa qui est là pour plonger dive-in dans le tas, et la Rel qui peut évidemment elle aussi flank pour trouver les carries. Sentinelle, on est sur une composition structurée qui veut aller de l'avant, qui veut partir de loin pour aller loin vers l'avant, pardon. Et les Cicadas, eux, sont là pour flank, pour surprendre, jouer sur la vision, jouer sur le warding, empêcher l'équipe adverse d'avoir de la vision
et trouver les carrés adverses rapidement pendant le fight. Ben, totalement, et puis là en plus le truc c'est que du côté de Cicada, j'aime beaucoup en tout cas le combo qui va être mis en place. Là on voit très facilement un fameux go-in de Rel into ulti into Evelkos ulti, ouais, aussi carrément. Ça peut, c'est des trucs qui peuvent partir très très vite et j'ai l'impression qu'on a misé sur, pour le coup du côté de Cicada sur énormément de dégâts. Ouais, beaucoup de dégâts. On a un jungler qui veut mettre des dégâts. On a un mid laner et un AD carry qui veulent aussi mettre des dégâts. On est, comme on l'a dit, sur un front to back qui est un petit peu moins un peu moins académique que celui des sentinelles. Et voilà, on va aller chercher le flank. On veut réussir à éliminer cette Orianna ou cette Vayne rapidement pendant le fight. Typiquement une Orianna avant qu'elle utilise sa Shockwave, puisque sa Shockwave est un outil, on le sait, dévastateur pendant les teamfights, notamment avec une composition comme ils l'ont trouvé, celle des Sentinelles. Donc éliminer ce genre de champion très très vite, ou aller pick up tout simplement un autre champion, pas forcément aussi squishy, mais un autre champion qui se trouverait un petit peu isolé, pourquoi pas dans la jungle adverse, ça peut être toujours très intéressant. La composition des Cicadas est beaucoup plus focus là-dessus. Bah, totalement, et puis là en plus on va pouvoir avoir un réel impact en tout cas sur cette top lane, hein, vraiment un chaîne qui peut décaler à tout instant. On va avoir aussi, je me demande comment va se passer le match-up chaîne Gargas pour le coup, parce que là c'est des... à mon avis ça va juste tâtillonner vite, ouais, fait. On peut effectivement, on est en pause, vous l'avez remarqué mesdames et messieurs, nous sommes en pause, il y a sûrement un petit souci technique pour démarrer cette partie, mais ça devrait reprendre assez rapidement. Donc pour parler effectivement de ce match-up très rapidement, Shen, Gragas, pour le coup, bah c'est deux champions qui sont des neutraliseurs en top lane, comme on les appelle, c'est-à-dire que c'est des champions, ouais, qui sont là pour désamorcer la lane, désamorcer le match-up, jouer pour le scaling et jouer pour son équipe, en fait, tout simplement apporter un petit peu de dégâts, de la tankiness, de l'utilitaire, des CC au reste de l'équipe, et qui va tout simplement désamorcer le match-up top lane. Deux désamorceurs, bon, je vous apprends rien, deux désamorceurs qui jouent l'un contre l'autre, on va pas avoir un match-up ultra explosif. Quelques trades peut-être, Shen c'est pas trop mal en early game, mais Gragas régène beaucoup d'HP, donc finalement, les potentiels trades que ce Shen va mettre, on va régène les HP avec Gragas. Bah, c'est ça, on régène des HP, on va juste dépush, full dépush les waves, on a aussi un Viego qui peut au cas où venir en aide, mais le truc c'est que dans Shen ça fonctionne moyen. Ouais. C'est pas non plus là qu'on veut insister, en tout cas avec ce pick Viego, c'est pas sur cette top lane, hein, clairement, et c'est plus pour le coup sur une bot lane avec une petite Vayne qu'on peut essayer d'aller titiller, surtout avec Rel qui a des très gros CC pour le coup, pour essayer de l'empêcher de dash et de s'extirper un petit peu partout. Et ouais, je pense que des deux côtés on va peut-être vouloir insister un peu plus sur cette bot lane, en tout cas j'ai l'impression, ouais, que c'est la volonté des deux équipes. Clairement, je suis d'accord avec toi. Je pense que le match-up top lane, on va l'oublier, peut-être potentiellement sur un dive niveau 3, niveau 4, comme on les connaît. On peut peut-être jouer là-dessus. Le Gragas devrait avoir le push, donc on peut peut-être setup ce genre de choses. Mais très très vite, on va se focus sur la mid lane, on va se focus sur la bot lane. Essayer de mettre bien en tout cas nos carries et ensuite, pourquoi pas, dérouler là-dessus. Mesdames et messieurs, il est l'heure. Nous sommes en train de rentrer en game, vous le voyez avec cette magnifique animation de la fontaine des deux équipes. Les Cicadas contre les Sentinelles, c'est maintenant, ça commence. Le BO3 est lancé et les deux équipes vont s'élancer. Chaque joueur sur sa lane face à son match-up direct. C'est parti mesdames et messieurs. Ouais, c'est parti, on va prendre une petite cover classique. On entend en plus le public derrière qui est totalement chaud. Évidemment, hein, un très gros enjeu comme on l'avait dit. Et derrière, on a une petite cover classique, on prend pas de risque, on va juste s'assurer que personne ne vient. Ouais. Ah, Chap qui va quand même essayer de s'avancer un petit peu. On prend la vision, effectivement, on prend l'information sur bien le jungler adverse, Louis qui voudrait peut-être trouver un potentiel premier Q-spell qui ne touchera pas. On s'avance du côté du trio Sentinelle. On va poser cette ward et on n'aura pas le temps de la casser du côté de Kiki et de son Viego. Ah, ça c'est une très très bonne information pour Chap. On sait que maintenant on a l'info sur les Corbins. Pour du côté de Viego, on va peut-être pour le coup commencer sur son red buff. Ouais, c'est exactement ce qu'on va faire du coup. Et on a aussi une petite ward dans le tri-bush botlane pour éviter des petites altercations non voulues justement. Ouais. Et on start du côté des Corbins aussi du côté de Chap. Allez, c'est parti. Très certainement, donc on a un potentiel gank niveau 2 ou niveau 3 qui peut arriver sur la bot lane
du côté des Sentinelles. Là où du côté des Cicadas, on a ce Viego qui va vouloir clear un petit peu plus de camp, j'ai l'impression, au moins un camp de plus que ce Zac, et qui pourra arriver aussi sur la botlane, mais plus tard du coup. Ouais, effectivement, un petit peu plus tard. De toute façon, là, on a Chap qui a commencé sur sa botlane. Peut-être qu'on va vouloir soit tenter le cheese au niveau 2 into gank, ou alors on va aller... On va aller chercher direct cette petite mid lane. Ouais, la mid lane, toujours, encore une fois, la lane sur laquelle on a envie d'insister. Et le premier push, en tout cas sur la mid lane, qui revient du côté de Louis et de son Vel'Koz. Donc il peut se permettre d'aller chercher un peu ce jungler. Il va aller avancer vers la jungle de Chap. Il veut poser cette ward, il veut prendre de l'information. Pour l'instant, il n'a pas eu cette information. Non, pour l'instant il n'a pas d'information. Par contre, Chap, il a vu que les corbins de Viego étaient faits. On sait où est le Viego, on a spot totalement là, on sait qu'il est au niveau soit de ses loups, soit de son blue, etc. En tout cas, on rate le petit stun sur Rel en botlane qui aurait pu prendre un très beau DPS sur Sorakan. On va essayer de freeze la wave et c'est exactement ce qu'on fait du côté de Sentinel. On va pas non plus essayer de prendre un avantage. On va chercher le petit top de secours, on prend des très très gros dégâts du Toby côté de Dragas. Oh oui, des gros dégâts, mais on manque de mana pour Drali et le mana c'est un petit peu le lien du sang pour Gragas. Ah oui, c'est oui. Ce qui lui permet de régénérer, c'est ce qui lui permet de tenir la lane. Il faut retrouver un petit peu de mana pour régénérer ses points de vie et là on manque cruellement de ce genre de ressources. Après il a une téléportation, les deux top laners ont évidemment une téléportation, donc on est plutôt safe là-dessus. Est-ce qu'on peut aller chercher pourquoi pas un premier first blood, mais on va bien répondre et on va rester dans une safe zone du côté de Lorenz et de Sarrel, qui va pouvoir s'extirper de ce trade. On va essayer de jouer un petit peu plus agressif apparemment du côté d'Alze. On a envie de se bagarrer réellement contre cette botlane. Hein. En tout cas, Rel et Kai'Sa qui sont des targets de choix pour une Vayne early. On a peut-être envie de rentrer très fort dedans. On a info sur Viego justement, sur Kiki qui s'avance sur cette botlane qui va reset. On va chercher un petit taunt sur ce Shen qui prend quand même énormément de dégâts de la part de Sagragas. Il faut faire attention hein, évidemment, ouais. La mousse de run il fait mal. Gars, et ouais, Melon en tout cas qui tient en termes de points de vie, qui tient son adversaire en respect, même si le push n'est pour l'instant pas pour lui. On arrivera quand même à des push sans problème le reste de la wave. Et on s'en sort plutôt bien pour l'instant pour le mid laner des Sentinelles avec sa Orianna. On l'a dit, le début de game est censé être en sa faveur, le début de lane. Pour l'instant, c'est le cas. On verra comment se passent les trades après le chapitre perdu, après l'achat du chapitre perdu. Effectivement, tandis qu'on voit justement le petit ping sur le Viego qui a sûrement été spotted. Enfin, on se doute qu'il doit être par là justement. On rate ce petit bump de côté de Rakan. On va garder ses creeps. Je pense qu'on va simplement les dépush. Et c'est Orianna par contre qui va décider de les garder, ses creeps. On va tout simplement faire un petit freeze sympathique. On a encore le Viego qui est spoté. Hein, vraiment, ce Kiki qui n'a absolument pas le choix, qui est vu. Attention, Melon. Attention, Melon, il ne peut pas se faire bait. Oh, oui. Avec le midliner des Sentinelles, on pourrait peut-être concéder le first blood, mais on a Chap qui est là pour aider son midliner. Oh oui, la barrière qui va être attaquée du côté de Louis. Le toucher. Le Q-Spec qui touchera et ça sera le first blood en faveur de Louis. Louis en plus qui ne tombera pas. Oh mais oui, le flashing de Chap pour venger son midliner et ce sera un kill partout entre les deux compositions. Le premier trade était explosif entre les Sentinelles et les Cicadas et c'est finalement un match nul. Match nul, on récupère un petit kill sur Chap. Par contre, on a récupéré un kill sur Vel'Koz. On a le Lost Chapter, on a fait le petit back. Faut faire attention sur cette top lane par contre, parce qu'on a un niveau 6 Gragas, mais on a très peu d'HP, on n'a plus beaucoup de mana non plus. On a un petit cookie qui est là au cas où. Mais il faut rester vigilant et en plus, du côté de Chap, on va peut-être vouloir s'avancer pour faire les voies de Grubs. Ouais, alors c'est clair qu'on n'est pas du tout en position de contestation. Alors qu'on a un replay effectivement qui nous est proposé par la régie où on voit. Ah ouais, c'est dommage. Parce que Melon il fait un petit sidestep qui le ramène vers ce Q-spell. Il sait pas exactement quand est-ce que Louis va réactiver son Q-spell. Il essaye de le pré-shot et malheureusement ça passe pas. On fait le sidestep dans le Q-spell et ça ne fonctionne pas. On tombe là-dessus, mais Chap qui vient quand même récupérer ce kill et qui va accélérer un petit peu son potentiel sur son Zac.
Et voilà, les 3 Void Grubs qui sont récupérés du côté de Sentinel. On va pouvoir faire profiter un petit peu cette botlane des Void Grubs, pouvoir push les tourelles un petit peu plus vite. Par contre, il faut faire attention. Qui va se lancer, qui va toucher son stun sur Rakan. Il faut faire attention parce qu'on va réussir à se faire go in. Non, on arrive à s'extirper du côté de Blade. On s'écarte, mais par contre, on récupère les Corbins de Chap. Sur Andrali, attention Andrali. Et ça se passera bien pour lui, voilà. Le désamorçage, on le disait, hein, coup de bidon de Gragas, et tu désamorces absolument n'importe quel trade. Le coup de bidon a à peu près la priorité sur quasiment n'importe quel spell du jeu, à part les Unstoppable, donc pour le coup, c'est un spell assez intéressant. Ouais, vraiment, c'est vraiment très très intéressant, tandis que de l'autre côté de la carte, on en profite pour faire ce petit drive du côté de Cicadas qui va être récupéré sans contestation possible pour Kiki. Faut faire attention par contre à ce Rakan qui s'approche un peu beaucoup. On va rater le stun évidemment. Rakan est beaucoup trop vif. Et derrière, on va contester le red buff du côté de Chap. Ouais, alors ça va être vu par Drali. Hein. Ça va être vu par Drali, mais le décalage n'est pas possible pour le moment. Il va se faire un petit peu tardif du côté du mid laner des Cicadas. Le jungler des Cicadas, lui, est à la base donc. Oh, Vel'Koz. Ah, oh, c'est dommage. Le red buff, pardon, qui va régénérer quelques points de vie qui ne permettra pas au jungler sentinelle de le récupérer avec un smite. Et Chap qui partira bredouille. Malheureusement, ouais, on perd ce smite. On a perdu beaucoup de temps à investir cette jungle. Oui, magnifique. De la part de Melon. Oh! Oh, il faut faire attention parce qu'il y a du beaucoup de gens. On est en supériorité numérique pour les sentinelles. Est-ce oui. qu'on peut aller chercher le kill? Allez. Louis qui n'a plus de flash, il a ce point oh, oui. Et la barrière qui va être au dernier moment. On arrivera à incroyable. Les sentinelles 1 à 1, le passif de ce Zac qui va tomber. Et le kill, le premier reset qui va être récupéré par Kiki sur son Viego. Et finalement c'est un 2 pour 0 en faveur des Cicadas qui se sont joués de leurs adversaires, qui ont bait les sentinelles jusqu'au bout pour aller finalement s'en défaire. Ah là, on a essayé de tenter quelque chose sur ce Vel'Koz. On a eu un très bon spacing pour le coup. L'arrivée de Rell et de ce Viego qui a totalement renversé. Ah oui, magnifique, on voit ce petit replay. Rell qui était juste ici, et elle se faisait chase. Hein. Le joueur à regarder ici, c'est Louis, puisqu'il va garder sa barrière jusqu'au dernier moment. Et bait les sentinelles 1 à 1. Le passif de ce Zac qui malheureusement ne servira à rien, un passif Zac sous la tour, FF, t'es un peu déçu. Et donc c'est 2 pour 0 en faveur des Cicadas. Ouais, effectivement, on prend un petit peu d'avantage sur ces kills qu'on récupère à droite à gauche. On a récupéré évidemment le premier Drake du côté de Cicadas aussi. De l'autre côté, évidemment, Chap a fait les Void Grubs et derrière on va faire ce petit raid into peut-être un gang. Oh, un Kiki qui prend une position agressive. Il n'est pas vu, là ils vont être... Oh. Attention. Il y a la pomme explosive. Oh attention, on se fait shit CC. Chap qui n'aura pas de temps, il n'avait plus de passif et l'enjeu il était de déclencher cette pomme explosive mais il n'a pas pu puisqu'il s'est fait chain CC par une excellente combinaison de contrôle des Cicadas. Et on souffre côté sentinelle. Ouais, on souffre énormément parce que là en plus on investit beaucoup cette jungle. Ça fait deux fois que Kiki justement fait les Corbins de Chap. Et on va récupérer beaucoup de ressources sur cette action. On arrive à tuer Chap et on arrive à récupérer aussi son raid qu'il venait tout juste de compléter. Désamorçage. Top lane, comme toujours, vous voyez de magnifiques trades. Alors l'avantage quand même est à chaîne puisque lui il peut proc sa point de l'immortel. Donc il gagne quelques HP par-ci par-là. C'est toujours ça de prix, on ne dit pas non, surtout dans un match, dans un enjeu aussi important. La moindre statistique peut faire la différence. Donc on stack ses HP, Chap qui une nouvelle fois se tourne vers la mid lane. On a récupéré le flash, cela dit, du côté de Louis. Donc avec son Vel'Koz, il avait déjà réussi à s'en sortir face à 3 joueurs avec une barrière simplement, avec un flash, c'est encore plus simple. Ouais, effectivement, tandis qu'il va tenter les Void Grubs, mais il est intercepté totalement par Kiki. Et cette raid, il faut faire attention parce qu'on prend un teamfight ulti. Rakan qui est lancé, attention, on va faire le wombo combo. On a le triple ulti qui est lancé, on va réussir à choper la raid. Attention, l'ulti Vel'Koz qui va réussir à tuer Blade. Le derrière, Kiki va tomber. Qui est juste derrière, qui prend son reset de passif. On va essayer de désengager cette action, exactement. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est du 2 pour 1 en faveur cette fois-ci des Sentinelles. Et on est. Voilà, petit paysage de la on va, on va tranquillement, en tout cas du côté de Chap, récupérer les Grubs à nouveau.
le smite qui va être utilisé. Et donc ça fera, eh bien ça fera au moins 5 grubs voire 6 en faveur des sentinelles. Donc ça c'est une bonne information. Ah ouais, ça c'est bien. C'est bien, on récupère les 5 Void Grubs pour Sentinelle. On se met très bien pour le coup. On en a 5. Les 5 sont validés. On a réussi à en cancel un du côté de Cicadas, mais évidemment on n'a pas réussi à tout faire. On a essayé de cancel le back de ce petit Louis, mais on n'y arrivera pas du côté de Melon. On va juste push la wave et la faire se crash. Évidemment, ces Grubs, on le sait, le passif plutôt intéressant s'active au bout de 5 Grubs. Donc mission accomplie pour les sentinelles, le sixième est optionnel puisque le passif s'en trouve un petit peu renforcé, mais c'est pas bien méchant si tu les as pas tous. Par contre à partir de 5, t'es très content en général. Lorenz qui va devoir esquiver les différents skillshots de la part des sentinelles et qui veut contester la vision, mine de rien il a claqué son des warders, on va stun mais rien de méchant pour le moment en tout cas. Les junglers qui ont envie de se diriger sur ce Drake. Ah ouais complètement, et puis là c'est un petit Drake technochimique donc très clairement un très bon Drake à rendre, hein. c'est efficace pour les deux équipes. En tout cas en top lane on n'a pas trop de. On se tape un petit peu, petit taunt, petit proc de point de vie immortel classique. Par contre on voit quand même que quelques petits écarts au niveau du farm se font ressentir surtout sur cette botlane. Et alors attention parce que là il y a une ressource importante à prendre en compte, c'est qu'on a Toby qui possède son ultimate avec Shen. Donc Toby il est capable de rejoindre son équipe très très vite. Les sentinelles pour fight là où Drali a une téléportation qui est sur le point de revenir mais qui n'est pas totalement revenu. Le cooldown va arriver d'ici sous peu et finalement on ne se servira pas de cette ressource là du côté sentinelle. On préfère rester sur une concession de Drake. On aurait pu tenter honnêtement côté sentinelle d'aller chercher ce Drake. C'est pas le choix qu'ils ont fait. Ils avaient peut-être pas forcément l'information sur la téléportation de Drali. On s'est dit peut-être Drali peut suivre. Oh, flash out, magnifique. Très très beau flash out, on force ce flash du côté de Blade. Petit go-in qui s'est fait tranquillement sur cette bot lane. On récupère des ressources assez importantes, on se fait taunt du côté de Gragas, on prend beaucoup de dégâts pour le coup et on n'arrive pas forcément à répondre, mais c'est pas très grave parce que Gragas arrive tout simplement au dépush et c'est pas très impactant pour le coup sur cette lane. Ce qui est impactant ça va être les moments décisifs d'ulti de la part de Shen parce qu'on peut se faire très facilement par un petit coup de bidon. Donc c'est vraiment le danger pour le coup. Effectivement les resets seront très importants à aller chercher du côté de ce Viego. Toujours ce travail de vision, Lorenz qui est présent pour aider son équipe à sécuriser les lieux autour de ce Herald. Ward une nouvelle fois qui va être prise, on conteste la vision, c'est normal. Cet Herald c'est le prochain objectif qu'on veut contester pour les deux équipes et c'est normal qu'on ait les deux supports qui soient à proximité avec leur jungler. Est-ce qu'on peut trouver une opportunité sur lui qui, ouais. possède, qui ne possède pas son flash, qui a sa barrière mais qui ne possède pas son flash, oh. Ça peut-être mener à quelque chose. Il faut faire attention parce que de l'autre côté on fait l'Herald et on a remarqué cette rail, hein, effectivement elle avait été révélée avec des wards de vision. Tandis qu'on va contester encore une fois la jungle de Chap qui se fait un petit peu dévaliser pour le coup. Hein. Ouais mais il récupère l'Herald, c'est un red buff pour un Herald donc c'est pas si mal. Attention par contre, Alzé qui n'a peut-être pas vu le coup venir, il est sous ultimate, il tente de tenir oui. Au moment, à 4, à 3, on magnifique, est oui. numérique. Et on va pouvoir éliminer le premier joueur de cette équipe des Cicadas qui s'est vu peut-être un petit peu trop beau sur ce dive. Il y a, on le rappelle, cette ultimate de Shen qui lui permet de rejoindre son équipe très très rapidement. Et eh bien c'est un carton plein dans l'histoire pour les Sentinelles puisqu'on récupère à la fois cet Herald et on cancelle ce dive en botlane en récupérant un kill en plus de ça. Ah ça ouais, c'est vraiment excellent pour le coup. On n'arrive pas forcément à récupérer ce red buff mais c'est vraiment pas grave comparé à l'action qu'on vient de récupérer pour le coup. 5 Void Grubs, on a l'Herald, on va pouvoir potentiellement faire un énorme push au mid et libérer cette Orianna. Ouais, complètement. En termes de gold, on est quasiment à égalité. On a un petit cas gold quasiment d'avance pour les Cicadas. Ce Viego qui est plutôt bien dans sa partie. On a besoin que ce Viego et Snowball, c'est vraiment une condition de victoire des Cicadas, qu'il puisse récupérer le premier reset rapidement et derrière qu'il puisse démolir le fight. Il est très bien ce Viego, donc il pourra avoir l'opportunité de faire ça, accompagné de son Vel'Koz de Louis qui, on l'a vu depuis le début de la partie, fait un très très bon début et qui arrive à récupérer aussi beaucoup de ressources. Oh, attention. Il y a peut-être une opportunité à trouver là-dessus. Blade oui. qui se trouve un petit peu isolé en bas au lit. Magnifique. Sur cette rail, mais cette rail, elle tanque énormément. Oh oui. Les dégâts de Louis sont absolument insane. Oh là là, maman. Et cancel la téléportation de ce Toby qui arrivera au milieu de la mêlée sans ne pouvoir rien faire.
Chap qui ne peut que regarder son top laner mourir. Et Melon qui va devoir lui aussi reculer. La jungle des Sentinelles appartient désormais aux Cicadas qui viennent d'éliminer deux joueurs de leur équipe rivale. Ouais, effectivement, tandis qu'on a un magnifique combo d'ADC, il faut pas voir qui va gagner. Attention, c'est la main. On a récupéré quelques creeps. Récupéré pour Kaisa. Le solo kill de la part de Golden Penny qui vient chercher lui aussi son rival direct. Et Chap qui tente une engage là-dessus au mid lane. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose d'intéressant? On est en infériorité numérique, attention. Attention les Sentinelles, on est en infériorité numérique là-dessus. Et on va s'en rendre compte et directement reculer. Ah, effectivement, là, très belle action pour le coup du côté de Cicadas. On arrive à quand même reculer, on prend une tourelle bot, on prend un solo kill bot pour Golden Penny qui maintenant a beaucoup plus d'avantages. On prend une avancée d'environ 30 creeps pour Kaisa. Ouais, voilà, on a le petit replay en plus, effectivement. Ouais, le 1v1. Et alors là, en fait, tous les snapshots, ah ouais, c'est ça qui touche. Ouais, et en fait, il a extrêmement bien joué avec son ultimate et la limite de range. Il touche non seulement tous ses skill shots, et puis en plus de ça, cet ultimate qui lui permet d'y retourner en deux temps et d'esquiver la potentielle auto-attaque fatale de la Vayne sur son passif. Ah, puis c'est, il l'aurait certainement tué. C'est surtout, ouais, c'est l'auto-attaque de Vayne qui a malheureusement raté. On a vu ce petit creep qui a pris tarif, mais malheureusement, c'est des choses qui arrivent, et c'est malheureusement ce qui a fait perdre ce trade. Et désormais, Toby qui non seulement stack point de l'immortel, mais qui stack aussi un cœur. Assez attention, je m'interromps pour nous diriger en botlane puisqu'on a Alze qui est en mauvaise posture. Il s'en sortira grâce à une condamne bien placée, mais Kiki qui n'a pas terminé et ouais, qui veut aller chercher Blade. Ça ne donnera rien, mais le Drake est présent et pour l'instant il est en faveur des Cicadas en termes de vision. Ouais, effectivement, puis en plus Drake Infernal, donc âme Infernal aussi juste derrière, ça pourrait être quelque chose d'extrêmement intéressant. Attention Blade. Ouais, ça pourrait être quelque chose d'extrêmement intéressant pour cette team des Cicadas qui a énormément de dégâts pour le coup. Nouvelle affaire entre les deux AD carry. Golden Penny cette fois-ci qui part avec un avantage net. Est-ce qu'il peut le conserver jusqu'au bout de la partie? On aura cette ultimate de chaîne. Toby, allez, est là, oui, pour aider son AD carry. Et on est complètement esselé pour Golden Penny qui s'est vu trop beau, qui est allé un petit peu trop loin et qui en a oublié cette ultimate de top laner, de son top laner Toby, pour le rejoindre. Et là par contre, supériorité numérique, le pack de Vayne qui vient d'être effectué. Normalement, c'est une contestation de Drake qui doit se faire en faveur des Sentinelles. Ah, effectivement, on n'a plus d'AD carry. Par contre, on a encore ce Vel'Koz et ce Viego qui sont des réelles menaces pour le coup. Il faut faire attention parce qu'en plus, ouais, on est à deux doigts de se faire go-in sur cet engage de Dragon. Là. Blade qui est low HP, attention au support des Sentinelles. On le rappelle, Louis est encore vivant, tu fais bien de le mentionner. Il pourrait dévaster les rangs des Sentinelles sur un ultimate. Blade qui est un petit peu isolé, il avait peu d'HP, on l'avait dit. Oh, magnifique. Désespéré, on se regroupe du côté des Sentinelles et on tente d'impliquer tous les dégâts. Est-ce qu'on peut trouver le premier kill? Mais magnifique, on a Louis qui va channel son ultimate, les dégâts sont bons. La Vayne qui peut DPS, c'est le premier joueur des Cicadas qui va tomber. Est-ce qu'on peut se retourner sur ce dragon? Dragon qui semble à l'avantage des Cicadas. Est-ce qu'on peut le conserver? J'ai pas l'impression puisqu'on est quand même en supériorité numérique du côté des Sentinelles. On est en supériorité numérique, mais par contre on a Melon qui arrive. On va peut-être pouvoir tenter une petite shockwave pour essayer de récupérer ce dragon. Le dragon est récupéré par Chap qui va le voler tout simplement. Très très belle action de Chap qui vient en plus et qui survit. Oui, magnifique, il survit. Il survit, il avait son passif au cas où pour être safe, donc c'était bon. Par contre, on a eu un kill une nouvelle fois de Golden Penny, sur Alze, qui a été trouvé un petit peu dans la mêlée pendant que ce Drake était en train d'être récupéré. Donc ça reste quand même un Drake contre un kill, donc en faveur des Sentinelles. Mais attention à ce duo Louis Golden Penny avec la Kaisa et le Vel'Koz qui mettent beaucoup de dégâts en fight. On le voit même en infériorité numérique, ils s'en sortent bien. Ouais, c'est ça, et puis en plus on a Lorenz qui derrière fait des très bons engages qui permet à Louis à chaque fois de très bien se placer pour mettre des ultis de fou. Et là on l'a vu hein, sur ce fight, c'est clairement ce qui a fait en sorte qu'ils puissent essayer de récupérer ce Drake, même sans compter du coup le style de Chap. Mais ouais, les ultis Vel'Koz pour le coup sont vraiment très dangereux, on le remarque sur cette game là. Oh. Blade toujours dans la contestation de vision, on se livre une bataille sans merci entre les deux supports. Est-ce qu'il y a une engage à aller trouver? Melon est un petit peu avancé avec Soriana. Il va devoir flash out. On est en sécurité pour le mid laner des Sentinelles, mais on a dû consommer un flash très important. Blade, oh oui, il t'a
temps d'aller trouver la main engage avec Chap qui l'accompagne. Melon qui est un petit peu isolé, qui naît, qui est bon. Oui. Mais le premier kill sera tombé en faveur des sentinelles avec le DPS de cette Vayne. La main engage qui continue. Golden Penny, Golden Penny qui est dans la mélasse. Golden Penny qui n'est pas bien, qui va pouvoir se sécuriser avec son ultimate. Mais les Cicadas sont en très mauvaise posture. On doit reculer. On doit reculer pour l'équipe du Red Side parce qu'on est en train de se faire oblitérer par les sentinelles. Et le Baron Nashor qui ouvre ses portes à l'équipe Blue Side. Ouais, il faut faire attention parce que quand même on a encore Tradi et justement Kiki qui sont juste là. On va pouvoir peut-être aussi tenter ce que Chap a fait. On essaye de re-engage pour Chap, on va réussir à stun ce petit Chap du côté de Kiki. Et on disengage ce petit Nashor. Ouais, les barres de points de vie sont peut-être un petit peu trop low HP. La Kaïsa est encore en vie, on a les resets de Viego potentiel sur un kill bien trouvé. Donc on préfère la jouer safe. On a récupéré deux kills, c'est déjà une bonne opération pour les sentinelles. Ouais, effectivement, très très bonne opération. On récupère quand même pas mal de ressources là-dessus. On a pris un très beau teamfight, hein. On a vu le très bon focus de Golden Penny et de Lorenz juste derrière pour éliminer les gros dangers. Avec Louis qui est décédé en premier, du coup, avec Alzé qui vient totalement le DPS. Louis qui a tenté quand même d'ulti, mais malheureusement, le fait que Vel'Koz tourne au ralenti avec son ulti fait que là on n'a pas pu mettre énormément de DPS, mais par contre on vient récupérer une petite tourelle en top qui fait plaisir. Attention Chap qui a tenté une engage là-dessus mais qui ne pourra malheureusement pas sauver sa T1. C'est pas grave, c'est qu'une T1, c'est pas très gênant. Les Cicadas, cela dit, qui quand même progressent et on sent les Cicadas pourtant. Ça fait plusieurs fois qu'ils se font, qu'ils sont en infériorité numérique, on concède un kill par-ci par-là, mais ils sont toujours devant en gold. Ils ont désormais quasiment 2K gold d'avance. Et même en infériorité numérique, c'est ce que je disais tout à l'heure, on les sent présents, on les sent menaçants pour les sentinelles. Et il y a quand même ce facteur-là où on se dit ils sont clairement pas faciles à abattre. Et pour aller chercher un objectif majeur, pour aller chercher un tournant majeur vers la victoire côté sentinelle, il va falloir vraiment éliminer la plupart des sentinelles. Il va falloir faire quasiment un ace si on veut réussir à progresser sur la carte, parce que pour l'instant on a du mal. Effectivement, on a du mal à ouvrir cette carte, hein. On a une tourelle bot du côté de sentinelle qui n'est plus présente, ainsi qu'en mid lane aussi, en top lane aussi. Du coup les trois tourelles sont tombées, mais par contre du côté de Cicadas on a toutes les tourelles debout, hein. Donc faut faire attention. Oh, sur Lorenz. Allez. Ouais, mais là ils sont en infériorité numérique les sentinelles, il faut reculer, il faut pas se faire un gage, il faut pas tomber dans le piège des Cicadas qu'ils essaient de leur tendre. On joue le 1-3-1 pour les sentinelles, on joue le split push entre guillemets. Les T1 sont pas encore tombés, mais je pense que c'est une bonne chose à faire. Il faut juste pas tomber dans le piège de se faire engage par les Cicadas qui ont de l'engage avec ce Gragas, avec cette rel et beaucoup de follow-up derrière. Ouais, effectivement, hein, beaucoup d'engage. On a surtout ces petits split pushers sur chaque lane. On n'arrive malheureusement pas à push plus que ça, évidemment, parce qu'on envoie des gens. Par contre, on a 4 personnes en mid lane. Est-ce qu'on va essayer de tenter des choses, tenter de préparer setup ce prochain dragon qui va arriver et Chap qui peut enfin faire ses corbins. Une nouvelle fois, à la manœuvre, les Cicadas, ils sont impériaux sur la domination qu'ils imposent sur la map. Ils sont en permanence en train de traîner dans la jungle des sentinelles, et les sentinelles qui, une nouvelle fois on le dit, n'arrivent pas à progresser, ils sont obligés de défendre leur propre jungle. Est-ce qu'on pourrait trouver une engage sur lui? Non, ça va être disengage. Et là attention, on va pas face check, on va bien face check au Daywarder pour être sûr de ne pas se mettre en danger pour Blade. Ouais, tandis que ce petit Drake qui est engage, on a la vision comme tu l'as dit. Juste derrière, on va essayer de go in pour Chap. On a petit Q-spell. Est-ce qu'on va encore tenter ce petit style qu'on connaît si bien de Chap? Sachant que là, on a le smite de Reddy, on a la vision sur ce Drake, on a reposé une droite de vision. Blade qui va légèrement fail son engage, entre guillemets, il ne trouvera qu'une personne, et c'est le support adverse. Oh, magnifique! Chap qui se fait cancel, attention là-dessus. On pourrait complètement le retraiter, les sentinelles qui sont en train de se faire oblitérer le Wombo Combo par les Cicadas. C'était magnifique, le fight continue derrière. Les dégâts sont trouvés. Où est cette Vayne? Elle est en train de DPS, elle est en train mais de oui. Rally. Et tant qu'elle est vivante, cette Vayne, il y a de l'espoir. Tant qu'elle est vivante, il y a de l'espoir. Golden Penny lui aussi est vivant. Mais les sentinelles qui finalement prendront la position. Oh mais oui. Les dégâts de Melon et de Saoriana sont magnifiques. Le proc était stupéfiant. Et l'exécution est là pour le mid laner des sentinelles. Ah mais vraiment extrêmement bien joué, hein, sur cette action. On a eu très très bel engage de Chap, hein, on l'a vu, qui a été follow up très rapidement. Évidemment Alzé qui a le temps de faire tous les dégâts du monde.
Donc évidemment, on va revoir petit replay, petit Z de Rakan pour engage. On a le go in the chat, on se fait cancel instantanément. L'ulti de Louis derrière qui vient quand même faire beaucoup de dégâts. Ouais. Et derrière, on a Alzé qui est un peu temporisé pour l'instant. Il peut pas trop s'avancer. Par contre, Louis qui a été obligé de flash out ce mur. Drali qui évidemment se fait go in par flèche de chaîne. Et derrière, on a le petit Q-spell de Moulon. Q-spell Z. Ouais. Et les dégâts sont là. Les dégâts sont vraiment présents. On part sur de la pénétration magique en plus pour Melon. Donc on va faire énormément de dégâts dans les prochaines minutes. Cela dit, c'est pas encore complété l'item. On a envie de se fight pour ce Baron Ashur du côté des deux équipes. La vision est contestée une nouvelle fois. Il faut prendre ce push en mid lane. Mais forcément, le push avec une tour présente contre une tour détruite, c'est les Cicadas qui l'ont ce push. Effectivement, et encore une fois, on le voit aussi en bot. Hein, du coup, Drali qui a push vite fait side lane. On oblige Toby à décaler et récupérer des push cette fois, tout simplement. On n'a pas envie que cette T2 bot tombe. Ce serait vraiment le coup de trop pour le coup. On n'a vraiment pas envie de laisser ça passer et on va reprendre un 1-3-1 comme tu l'avais dit avec Chap pour le coup qui est positionné en top pour le coup. Alors lui, il attend une opportunité pour sauter sur Louis. Louis sans doute effectivement. Et alors là, ce qu'il faut faire du côté en tout cas des sentinelles, c'est envoyer ce chaîne. Oh. Forcément, alors là il est en bot lane, mais essayer de le faire plus souvent parce qu'on veut profiter de ce split push côté Cicadas. Par contre, on veut regrouper, on veut essayer de profiter de team fight. Attention, magnifique, parce qu'on va trouver Nugget là-dessus. Est-ce qu'on peut connecter le coup? Oui. La réponse est oui. Le Zonia, presque un signe de barreau d'honneur, puisqu'on n'a pas de flash pour le mid laner des Cicadas et on va tomber. Très très bonne vision de jeu, très très bon warding. On a réussi à passer dans le Fog of War du côté de Chap et sans se faire repérer par Louis. Et on finit par abattre le mid laner adverse, prendre cette première T1. Première T1, mine de rien, il faut quand même le souligner, c'est la première T1 qui tombe au bout de 28 minutes de jeu. Ouais, effectivement, première T1 pour Sentinelle. On a une petite TP de Gragas parce qu'on sait que ce Nashor est à contester. Il faut faire attention parce que toutes les deux équipes sont en complète. Il faut faire attention, Lorenz qui va écarter Blade. On a le DPS du Nashor qui va très très vite. On n'a pour l'instant aucune information. Attention Blade qui a eu du dash out et du coup maintenant on essaie d'engage un petit peu dans la folie. Lorenz qui arrive à passer, oh oui, mais ça ne suffira pas. Oui. Les dégâts sont bons. Là on gagne le ballon et la veille de Lorenz, oui, ils sont vivants et ils DPS toute l'équipe des Cicadas. Golden Penny qui n'arrive pas à tenir le DPS. Mais oui. Et on va en plus de ça réussir à le tomber cette fois-ci. Le creux s'est creusé pour... Ah ouais, non mais là vraiment il s'est passé beaucoup de choses, on re-engage ce Nashor du côté de Sentinelle, on a Kiki qui est juste là, il faut faire attention, on a toujours l'engage, on a toujours le smite, on peut toujours contester ce Nashor. Blade qui gagne énormément de temps avec Louis et Kiki, on a l'ulti de justement Louis qui est connecté, Chap qui regoïne, qui va réussir à récupérer Kiki et derrière on va pouvoir éliminer cette menace, c'était pas Kiki, c'était Louis. Mais derrière, on va pouvoir récupérer ce Nashor pour les Sentinelles. Et ça y est, ils ont réussi enfin après plusieurs fights où ils se retrouvent en supériorité numérique. Mais ils n'arrivaient pas à concrétiser un objectif digne de ce nom. Ça fait plusieurs fois qu'on les voit sur ce Baron Nashor, mais ils n'arrivent pas à le terminer. Cette fois-ci, on a réussi à prendre un fight assez bon, à éliminer assez de menaces adverses pour faire un trou et... Oh Blade, oh magnifique hein. Oh, la TP de Shen pour sauver Blade qui a tempo énormément, le shield vraiment il était magnifique et on a gagné énormément de temps. Le regoin de Chap juste derrière qui permet de récupérer ses deux kills et derrière Golden Penny qui va se faire go-in par Alzé qui va malheureusement perdre ce trade sans grande surprise. C'est compliqué surtout que maintenant on commence à être en orbite. Il a ses trois items là, il fait très 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 mal. En plus de ça, il a un petit peu de tankiness avec ses points d'armure, avec ses points de magic resist. Oh. Ils sont au bout du rouleau. On s'escape quand même. Évidemment, du côté de cette rail, on ne se laisse pas faire. Par contre, Chap qui se prépare à go-in juste après cette TP, juste après cette tour, pardon. Effectivement, on go-in pas. On va plutôt set-up ce Drake, parce que là, ça va quand même être le troisième Drake infernal pour Sentinelle. Hein. Alors s'ils arrivent à le récupérer, effectivement, et là pour le coup on commence à parler niveau stats. On commence à parler, ça fait un montant d'AD et un montant d'AP qui ne sont pas négligeables, notamment pour les carries de cette équipe.
Effectivement, avec Kiki qui était en top lane, impossible de contest ce Drake. Et on récupère le troisième Drake pour Sentinelle. On récupère cette petite T1 bot. On ouvre beaucoup plus la map hein, d'un seul coup. On a récupéré aussi cette T1 top en même temps. Et derrière, en même temps, pardon, c'est qui était déjà récupéré il y a un petit moment. Et on ouvre beaucoup plus la map. On go in sur cette T2, chaque voilà. Évidemment, va space. Et qui va dire à l'ennemi, non, retourne ouais. Dans ta base. Tu n'es pas de taille. Ce dont ils avaient besoin, les sentinelles, là, c'était de débloquer ce baron à champ pour débloquer la map. On vient de récupérer beaucoup de tourelles d'un coup là. On a récupéré deux T2, beaucoup de T1, les T1 restantes finalement. C'est ce dont ils avaient besoin pour avancer. Et bien de leur côté, les Cicadas, il faut surtout pas contester parce que ça pourrait leur coûter très cher. On a surtout pas envie de perdre des T3. Perdre des T2, c'est pas très grave. Perdre des T3, c'est beaucoup plus embêtant. Effectivement, et là on n'a pas envie de se faire go in. On a Alze qui est juste à côté, Blade encore une fois hein, qui fait une tempo magnifique pour vraiment permettre à Alze de le rejoindre et de mettre du full DPS. Par contre, Golden Penny qui se fait ulti, on a le bump qui connecte, Alze qui va y aller évidemment, Sharp qui est juste derrière qui va le récupérer. Bien joué, le kill qui est récupéré sur Golden Penny, très bonne synchronisation d'équipe derrière. Et on va push cette T2 en top. Et là on est réellement en difficulté du côté de Sika. Oh, il faut la laisser cette tour parce que malheureusement la Dekari n'est pas là. La source principale de dégâts constants de cette équipe des Cicadas n'est pas présent. Est-ce qu'on pourrait s'attaquer au T3 côté Sentinelle? J'ai l'impression que oui. Ah ouais, on s'attaque au T3 et en plus on a Dravi qui est en bot qui s'attaque aussi en même temps à cette T2. On a vu cette petite image en bas à gauche. Oh. Et derrière on va pouvoir récupérer aussi Lily, mais il va falloir partir très vite pour le coup. Pas sous-estimer les dégâts de Louis. Avec son Vel'Koz, parce que sur une bonne engage et sur un bon ultimate, il peut décomposer l'équipe adverse. On tente un semi-dive pour les sentinelles, ça va partir. Lorenz qui est très loin HP mais qui arrive à tenir et qui va disengage. On réengage de côté de Sharp, ça ne touchera pas l'ultimate de Shen pour l'accompagner. Lorenz qui est loin, Lorenz qui devrait tomber. Magnifique. La tour qui continue de se faire des PS et la composition des sentinelles qui creuse la base des Cicadas. Le fight va éclater désormais. Et ça repart. Ça repart. Qui est absolument. Mais oui, Alze qui repart. Mon Dieu, il va le faire. Il va le faire, évidemment. Louis qui est obligé de zoner. Il faut faire attention, par contre, on a énormément de dégâts, effectivement. On se fait récupérer. Hein. Voilà, ce fight, c'est beau. On est parti dans tous les sens. On est peut-être allé un poil loin pour les sentinelles. Mais le début de fight s'était passé à merveille de leur côté. Les Cicadas qui ont extrêmement bien répondu derrière. On a réussi à trouver des dégâts côté Louis qui étaient fabuleux. Et alors, ce flux explosif. Parlons-en, on va le revoir sur le replay, on le verra à la fin du replay justement ce flux explosif. Parlons du début d'abord. On a un fight en premier temps qui se passe plutôt bien du côté de la frontline des Sentinelles, la Shockwave de la Shockwave. Impériale. Et mais pendant derrière, ce temps, Toby on a qui fait même... des énormes dégâts aussi. Hein. Ouais, et puis là le flux explosif, voilà. Ouais, le flux explosif magnifique de Drali. Et on va un poil loin, le dernier coup de tour qui achève Alze. Ça doit pas se jouer à beaucoup de points de vie honnêtement. Mais il y a eu une petite erreur de communication là-dessus, une petite erreur d'aggro de tour qui fait que la Dekari des Sentinelles perd la vie. Ouais, et puis derrière on a quand même pris un très gros fight. Hein. On voit pour le coup vraiment un très gros écart au gold de 6000 K-gold d'avance sur Sentinelle. On a le prochain Drake qui devrait spawn dans quelques minutes en plus. Et là, c'est vraiment un point décisif pour Sentinelle. On a une énorme avance maintenant, il faut réussir à la concrétiser. Voilà, exactement, on a 5000 gold d'avance. Alors attention parce que mine de rien quand même, 5000 gold d'avance en 35 minutes. C'est pas non plus incroyable comme avance. C'est une avance, mais c'est pas 5000 gold à 20 minutes. On est à 35 minutes, donc on commence à avoir quand même pas mal de ressources. On regarde les stuff, notamment des Dekari, des Cicadas. Ce Vel'Koz, il est présent. Il a un zonier en plus qui va récupérer avec son colon. On a pris de l'anti-heal d'ailleurs. On sent qu'on est vraiment là en support des dégâts de cette Kai'Sa et de son. Oh oui, Champ. Oui, belle esquive de la part de Golden Penny là-dessus qui se mettra en sécurité. Heureusement pour lui. Sinon ça aurait pu lui coûter très cher. Ouais, et puis là c'est vraiment le moment où on n'a pas envie de se faire catch. On a des super waves qui ont spawn et qui vont du coup push. On a une top lane qui va se push aussi naturellement. Lorenz. Et derrière, faut faire attention parce que là on va avoir le dragon qui va bientôt spawn. Là justement on le voit sur la carte. On va avoir le petit setup. On attend du côté de Melon aussi. On n'a vraiment pas envie de le laisser. Regardez le flanking, la prise de position de la part de Kiki qui...
étaient en train de contourner les lignes adverses. On essaie de récupérer en tout cas la vision sur ce Baron Nashor. Attention au face check, on prend quelques dégâts mais la régénération est présente pour un Rakan. Un petit spawn évidemment du dragon qui est en train de se faire solo par Alzé. Évidemment lui il a largement les DPS mais c'est... Ouais là, il est complètement on fire Alzé. Là engage oh. Sur la main infernale. Attention parce que la main infernale va être scorée par les sentinelles, ça y est. Et là on peut engage, on peut la déclencher. Et oui. Côté des sentinelles, le timing est parfait. Le timing est exceptionnel avec les dégâts boostés de ce dragon. On focus évidemment les carries des Cicadas et pour l'instant le fight est largement à la faveur des sentinelles. Est-ce que Louis peut être récupéré en chase? Et normalement on devrait venir à bout du mid laner des Cicadas. On va tranquillement un plateau d'argent. Et est-ce qu'on peut aller désormais clôturer cette partie, cette première partie pour les sentinelles? Bah on a Kiki qui est encore debout, on a encore Drani qui est encore debout, mais malheureusement on a toute l'équipe en face qui est debout et justement on va se faire go in. Blade qui va y aller, la petite shockwave qui est contrôlée. On a aussi Toby qui va venir récupérer Kiki qui a sur les aides, il faut faire attention et on se fait tuer. Oh non, il résiste à un HP, mais par contre c'est terminé, c'est game pour Sentinelle. Il va tenir le coup ce Viego, mais malgré tout sa base va tomber et ce sera une game 1 en faveur des Sentinelles qui viennent et qui a récupéré le premier point dans ce BO3. Qu'est-ce qu'il est important ce point puisqu'on est sur un BO3, donc on est dos au mur maintenant pour les Cicadas. On est complètement dos au mur, il va falloir jouer bien, il va falloir jouer surtout par les stratégies, il va falloir revenir dans cette game parce que là elle était quand même vraiment très compliquée, elle était vraiment assez even pour le coup, jusqu'à 20-25 minutes de jeu, c'était vraiment au coude à coude et vraiment il y a eu une action décisive pour le coup. On l'a vu, c'est le tournant du match, c'est ce fight au Baron Nashor, le fight où on arrive du côté des Sentinelles enfin à éliminer assez de menaces pour des Cicadas pour sécuriser un objectif important dans la partie. Et ça a véritablement débloqué tout le reste sur la carte pour les Sentinelles puisque au début de la partie on les voyait vraiment souffrir, les Cicadas étaient incisifs dans la jungle et on ne permettait pas à ces sentinelles de s'exprimer. On a finalement réussi à trouver la solution. Maintenant ce sont les Cicadas qui vont devoir trouver la solution en game 2 puisqu'ils sont une nouvelle fois dos au mur. Ouais effectivement, et puis là on avait un Alzé mais on fire, on l'a mis turbo bien dans cette game et là du coup il a réellement réussi à s'exprimer. On a eu malheureusement ce petit trade en surtout Otterly qui n'est pas passé avec le creep qui a pris à la place de justement il a pris tarif, mais effectivement petit avantage d'ego play pour Golden Penny avec sa Kaïsa sur le 1v1 pur qu'on a pu voir au début, mais bon, Ego Play, est-ce qu'en finale de la Gamer Assembly ça compte? Ah, je sais pas. Pas sûr. En tout cas, on va se laisser, on va faire une petite pause rapide de quelques minutes, le temps que les joueurs soufflent. Et on se retrouve pour la game 2 de ce BO qui est déjà exceptionnel entre les Cicadas et les Sentinelles. 1-0 pour les Sentinelles, on se dit à tout de suite après une petite pause.
Et rebonjour à tous, rebonjour après une victoire des Sentinelles dans ce Nexus Tour, cette deuxième étape lors de cette Gamer Assembly. On va passer au deuxième match accompagné de Kryler. Comment ça va ? Bah écoute, très bien, un premier match évidemment qui nous laisse un peu sur notre faim. On a envie d'en voir plus, on est déjà très impressionné bien sûr parce qu'on a pu proposer des deux côtés. Bon alors maintenant le souci c'est que forcément sur le format BO3, on peut déjà arriver à la conclusion en réalité de cette Gamers Assembly 2024. Donc il va vraiment essayer de retourner un peu la vapeur. Ouais, balle de match déjà pour Sentinelle. Ouais. On va voir comment Cicadas va répondre. Alors c'était quand même une game disputée au début, des petits carmouches ça et là, directement un premier solo kill. Sur une tentative de gant qui passe côté Vel'Koz et après il y a eu une altercation un peu au niveau de la T1 où on égalise à peu près au niveau des kills et on a senti que c'était un peu serré et dès qu'on arrive sur les objectifs j'ai senti Sentinelle tout de suite plus à l'aise. Oui c'est sûr. Les retakes de dragon, on laisse les deux premiers, il n'y a pas de problème, on attend le scaling et après on a le troisième, on a le quatrième, ils arrivent à avoir les quatre dragons infernaux qui suivent, le play baron qui était très, on va dire, qui a fait partie du tournant de la game. Là, les Sentinelles ont vraiment déroulé, ils ont joué avec la vision, et en fait, Zach a vraiment menacé le Vel'Koz presque toute la game. C'est sûr, on n'avait quasiment pas l'occasion de se poser, et du coup, bah, pour un mage artilleur qui est censé aider justement le contrôle un peu de ses prises d'objectifs, bah là, c'était quasiment mission impossible. Derrière, on avait une veine qui permettait de pas mal découper. Il y a eu des petites altercations avec cette veine, avec la Kai'Sa, qui ont été assez sympathiques. Maintenant, le tournant a été pris plutôt du côté Sentinelle pour cette fois-ci. On verra du coup, effectivement, si les Cicadas peuvent réussir à contrer cette installation de macro. On voit que les Sentinelles voilà, ont un jeu un peu plus posé. Alors, c'est assez rigolo, puisque jusqu'ici, ils avaient des games qui ont vraiment hard snowball, où ils ont commencé par sur les chapeaux de roue en vraiment démontant facilement que ce soit la bot lane, la mid lane ou la top lane et derrière on continue à prendre l'avantage. Là c'est la première fois qu'on les voit vraiment retrancher sur leur position à essayer de camper véritablement les différents objectifs et de pouvoir mettre en place leur plan de jeu. Ouais bah, je pense qu'ils connaissaient leur condition de victoire et ils ont joué autour. T'as parlé de ce duel d'ADC, c'est vrai qu'on a Alzé et Golden Penny, premier duel remporté par la Kai'Sa. Ah, c'était le 1v1 a été récupéré. Et après, il y a eu vengeance, mais on a été aidé par le soutien indéfectible. Oui, Toby, voilà. C'était un jeu d'équipe, bien sûr. Mais après, on a bien brillé. Alzé a une pick signature, souvent accompagné. On a déjà vu par la Janna de Blaine. Ici, bon, c'était un rakan des Carpates qui a été très efficace. Donc, belle draft du all-in. Et puis, on n'avait qu'à dérouler une fois qu'on avait les carrés d'activer. Donc, Melon était bien avec Serena, qui est aussi un pick signature. On a eu aussi le chaîne de Toby. Et là, plus j'en parle, plus je me rends compte que côté Cicadas, on a laissé passer beaucoup de picks dans cette première draft. En tout cas, des picks très forts dans les mains de Sentinelles. Bah, c'est vrai qu'effectivement, ne serait-ce qu'au niveau de la méta, on n'a pas énormément de picks très prio, que ce soit bot ou que ce soit top. Alors la Jinx avait été sortie, donc bien sûr, au niveau de la bot lane, c'est un grand nom. Maintenant, il n'y a pas forcément de Xanté, il n'y a pas forcément d'Aatrox qui a été sorti au niveau de la mid lane. Le Huey, je ne sais pas s'il avait été banni, mais absolument pas de sortie. Le Vel'Koz a donc fait une espèce de simili Huey, mais autant il a la range qui va faire exactement le même effet, autant en termes de contrôle, ce n'est pas du tout le cas. Et ça s'est senti, hein, tout simplement, le Zac évidemment qui a fait des carnages. Et en plus de ça, Rakan bah, qui amène toute la lingage nécessaire, tout le setup nécessaire. Donc ouais, c'est vrai qu'en termes de setup, c'était pas évident. Jungle, bon, à la limite, ça allait, on fait difficilement plus méta. Mais ça manque un peu de conviction. C'était peut-être trop safe, trop en deux temps par rapport à l'équipe adverse. Alors je suis plus certain de ce qui avait été last pick côté Cicada. Mais le Gragas a bien fonctionné sur la top lane. Drali a mis de beaux fûts explosifs. C'était pas mal. Quand même. La question qui va se poser, c'est surtout, est-ce qu'on change de sign? Pour Cicadas, ils viennent de perdre, c'est eux qui ont le choix. Est-ce qu'on se dit, bah, c'est justement ce Red Sai qu'on n'a pas réussi à activer, ou est-ce qu'on préfère partir de l'autre côté et directement changer la formule? T'as parlé de ce format BO3, c'est vrai qu'on a tout de suite le couteau sous la gorge, ouais. Et il faut prendre une décision difficile à ce moment-là. Après, si t'as confiance, et au visage des joueurs, ça n'a pas l'air d'être trop fermé, donc ils ont confiance, on va peut-être garder le Red Sai. C'est vrai qu'effectivement, Cicada a l'air à peu près dans son élément, en tout cas pas trop de coups de stress pour le moment. Côté Sentinelle, bon, bah, voilà, on a plus que de toute façon, on est un peu dépendant du destin, du choix de l'autre. Donc ça, il n'y aura pas trop la question. C'est vrai que ce pick blue side va être hyper important maintenant qu'on y pense, ne serait-ce que pour potentiellement de la priorisation au niveau de cette bot lane. Oui, il y a eu la Kai'Sa, oui, il y a eu la Vayne, mais pareil pour les supports, en vrai, il va falloir essayer de chercher quelque chose qui matche peut-être un peu mieux avec de l'agressivité en early. On a vu que cette première game a duré longtemps, a vraiment mis longtemps sur les phases de lane à se mettre en place, et c'est seulement à partir de 10-15 minutes sur les premiers gros objectifs qu'on a commencé à se déplacer. Peut-être essayer d'aller chercher un petit peu plus d'agression. On a du Jarvan en jungle qui peut être récupéré. On sait qu'évidemment, du côté Sentinelle, on a aussi très friand de ce genre de pick, donc potentiellement du Nocturne aussi d'ailleurs dans la même catégorie. Ça pourrait être une idée d'essayer de
bah, trouver vraiment une agression. En plus, il y a Lauriana de Melon qui peut très bien comboter avec tout ça. Donc oui, voilà, il y a des choses à faire, que ce soit du côté de Sentinel, mais également du côté de Cicada, avec bah, justement peut-être que cette Jinx qui pourrait être récupérée en blue side si on fait pas le choix de... Bon, ce serait très surprenant, on va pas se le cacher. Elle sera probablement en banner red side, la Jinx. C'est un essai qu'on a beaucoup vu sur cette GA 2024, qu'on voit probablement dans beaucoup de solo queue. Oh que oui. C'est sûr, à tous les levels quasiment. Et c'est un essai très fort du moment, il rentre bien, bonne porteuse de Static, qui est un super item, qui est très fait actuellement par les ADC, bonne porteuse de stuff critique, bien sûr. Donc on verra si on la laisse, mais c'est souvent, ça devient vite ingérable. Et au vu de cette draft, mesdames et messieurs, qui se lance, Cicada a décidé de partir blue side, de changer de formule avec ce coup-ci, on respecte Toby, Banshen. Le Banshen, effectivement, qui était très compliqué. Bah, c'est vrai que la Vayne a été complètement sécurisée. Hein. Il n'y a pas besoin d'enable un carry. Ah bah, ban Vayne aussi. Tiens, tant qu'à faire, comme ça, au moins plus de problèmes. J'ai vraiment l'impression que Cicada, en fait, juste à essayer quelque chose avec ce format BO3 en disant allez, on essaye, on laisse les pics signatures, on voit ce qu'on en fait. Et là, ils se sont rendus compte, on respecte. Compliqué forcément, attention, la Jinx reste open, il reste des bans qui peuvent être sortis, on respecte également la Orianna, mais du coup les intentions sont assez claires du côté de Cicada. Bon, évidemment Sentinel a encore beaucoup d'arguments, il y a le Varus du coup qui pourrait faire également son apparition, et puis ensuite bah voilà, la mid lane, même si la Orianna est sortie, le Huawei du coup reste désormais open pour le moment, donc ça va déverrouiller quand même pas mal de choses pour la suite de la game par rapport à la game numéro 1. Pour Cicada qui va arriver justement sur ce premier pic, ça va être extrêmement important. Là, on hésite. Hein. Tu peux toujours handshake Jinx Aphelios si tu veux jouer juste du scaling front to back classico et jouer sur le même terrain. Le banrel aussi important, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher. On supposait qu'on allait le prendre et on en parlait. Pic très prisé du moment, la Jinx. La Jinx, bien sûr, avec beaucoup d'opportunités. On pourrait avoir cette réponse, Lucian. Effectivement, très agressive, faut pas se louper. Mais forcément, entre de bonnes mains, et bien, enfin, d'ailleurs, entre de bonnes mains, on a déjà vu le duel d'ADC, on sait ce que ça peut donner. Donc, forcément, ça peut très très vite être explosif. Lucian qui sera donc verrouillé. On a de la Nami, on a du Lucio. Nami. Alors, je sais pas si tu le veux tout de suite. Tu pourrais, mais tu t'exposes dans tous les cas. Si tu prends Nami, tu t'exposes à des hookers. T'as peut-être pas envie, Jinx peut fonctionner avec beaucoup de choses, c'est aussi pour ça qu'elle est très prisée. Bon, Lulu a déjà été retiré, donc ce sera pas l'enchanteur qui va de pair le mieux avec la Jinx, mais Nautilus, je le trouve, fonctionne très bien, Thresh est évidemment toujours disponible. T'as pas envie de jungle? Ok, on préfère plutôt mid laner setup pour Melon, c'est connu, Larry. Ok, pourquoi pas, ça permettra de voilà, justement temporiser peut-être un petit peu plus cette mid lane. Côté Sentinel, de toute façon, on appréciera beaucoup le Volibear, oui, excellente option, que ce soit sur la jungle ou même potentiellement sur le topside, qui peut vraiment décider beaucoup de choses. Cette Zoé, on parlait de pique, justement, peut-être un petit peu surprise pour cette grande finale. On sait qu'on aime bien les artilleurs côté Cicadas. Est-ce que ça pourrait être une bonne réponse face à la Harry? Je crois que les grands joueurs de Zoé disent que le pic est vraiment pas bon actuellement. Ça serait un peu étonnant. C'est peut-être pic signature un problème, mais Louis voilà, va partir sur aussi quelque chose qui a de la range. Donc Syndra, ça fonctionne bien. Il y avait toujours la réponse Annie qu'on connaît, Lissandra qui peut revenir, qui fonctionne bien avec un Volibear. Mais bon, c'est un mid-jungle déjà très puissant pour Cicadas. Une botlane qui va scale. On sait vers quoi on va se diriger du côté, en tout cas, du plan de jeu Cicadas. Effectivement, bon voilà, la Syndra qui du coup offre beaucoup d'options. Côté Cicadas qui va toujours bien sûr faire plaisir, on verrouille la Nami du côté des Sentinelles. On aura donc évidemment cette botlane signature qu'on ne connaît que trop bien maintenant. Avec du coup bah encore cette possibilité support. Côté Cicadas, on avait parlé du Nautilus. Là, effectivement, ça semble être une excellente option. Pour le moment, on privilégie les bans topside du côté Sentinelle avec cette Poppy, effectivement, qui pourrait venir être problématique. Alors, c'est ce que ça pourrait indiquer potentiellement des petites Chispy qu'on avait vu pendant la LAN des Riven. Là, en ce moment, il y a la Rek'Sai qui est aussi très méta. Il y a des petites choses à faire. C'était beau, surtout pour Skill Camp. Riven, bien sûr, hein, pour peu que tu regardes l'OPG de Slayer. Après, la Poppy peut signifier probablement un Jax que tu as envie de blind, probablement aussi quelque chose qui va gérer la Poppy était très bien dans Xanté. Donc est-ce qu'on veut juste blind une top lane classique et surtout jouer sur le bot side et laisser pour Sentinel le last pick à chape? Effectivement, et en plus c'était effectivement très fort dans Zac, et Zac qui a été instantanément retiré du côté de Cicadas, ça paraît tout à fait cohérent. La vaille également, donc là pour le coup on a compris à peu près le plan de jeu. On a cependant retiré ce Nautilus, donc il va falloir trouver autre chose pour complémenter cette Jinx. Ça va, c'est pas comme s'il y avait des pics qui manquaient, mais on va devoir trouver une réponse à Lucian Nami, et c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. À voir également au niveau de ce topside et du coup de la jungle, la grande interrogation pour le moment côté Sentinel. T'as pas l'info support, mais t'as déjà l'info sur Volibear, okay, qui est toujours flexible, donc faire attention. On préfère aller chercher le Nocturne qui avait été ban première game. Ici, on peut se le récupérer.
il n'est pas accompagné d'une Orianna, c'est compliqué, mais par contre, dès que la paranoïa pop, ah, ça peut dasher dans tous les sens, et la rip vite, en tout cas, on peut la perdre de vue facilement, et hop, tu te fais charmer sans que tu t'en aperçoives. Va falloir répondre, et du coup, on le met où, ce Volibear? Bah, ça pourrait partir sur de la jungle, hein, voilà, Xanté qui va être récupéré en option blind top, comme malheureusement on n'a pas le match-up qui va être laissé du coup au Sentinel. On va partir sur quelque chose de très safe, qui complémente bien cette draft, qui a évidemment toute la force d'engage et surtout la force de pinning nécessaire pour cette Jinx. On amène, on shield, on se met bien. Rakan, d'accord, qui va être récupéré pour Jinx. Alors attention, Rakan dans Lucian, pas évident. C'est dur, hein. S'il va subir un peu en face de lane. Après, alors Rumble est bigissime, je trouve. Il y a okay, un peu mobile pour les carry Sikadas. Les sous paranoïa, ça peut être dangereux. Ça marche très bien dans Xanté. Par contre, ça va être compliqué. La Yumi, alors j'entends quelques cris. Je suis pas sûr qu'on veuille vraiment une Yumi, hein, pour Toby. Bon, ça dépend. Est-ce qu'on a vraiment envie d'une Yumi? C'est sympa, Yumi. C'est tout mignon, Yumi. On a envie de Yumi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Yumi. Ah, je ne pense pas. Allez, allez, lâche ça, Blade. Lâche ça, montre-nous le vrai pic. Voilà. On va plutôt aller chez du setup. On prend voilà, un plan de jeu plutôt classique. Le Horn pour Toby. Cohérent, effectivement, les cris du public, bien sûr, pour aller encourager ces deux drafts. On rappelle évidemment Cicadas qui vont être en balle de match potentiellement. Les Sentinelles ici qui doivent tout donner pour essayer de clôturer, sans quoi la remontada pourrait arriver. Match-up donc top, assez classique, la jungle qui risque d'être explosive. Attention au gank au niveau de cette mid lane, le Volibear peut aller très très rapidement. Un flash-in est trop rapidement arrivé, si cet arrive justement en subit les foudres, ça pourrait être absolument terrible. Derrière, Jinx Rakan évidemment le scaling, mais attention Lucian Nami, ça va exploser très vite. Sentinelle qui fait le choix d'aller puncher un peu plus, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, on décide d'attraper peut-être le taureau par les cornes alors, surtout cette bot lane. Effectivement, qui devrait dominer Lucian Nami, on connaît, dès que c'est niveau 2, ça a des interactions très très positives pour trouver les trades. Mais ce mid-jungle Cicadas, je le vois s'activer plus facilement et surtout plus vite que celui de Sentinelle. Et donc, il y a peut-être quelque chose à faire, prendre un flash rapidement sur Larry. Ça fait que tu trouves un bon back pour Syndra, tu conserves ta TP ou alors surtout tu passes niveau 6 avant. Et ça te permet de peut-être trouver une escarmouche pour le premier et deuxième dragon le plus simplement possible. Et retarder l'activation effectivement d'un potentiel nocturne qui pourrait se faire gêner, mais il a des lanes qui peuvent push, mais c'est ce Volibear qui va devoir essayer un peu de tirer son épingle du jeu pour essayer de voir s'il peut forcer des plays. Il va falloir être solide effectivement du côté de Cicadas avec ce Volibear, garantir potentiellement de la priorité le plus possible du côté de Louis bien entendu. Et en face, évidemment, essayer de faire scaler ce Nocturne. Nous partons désormais sur cette deuxième game, l'entrée des joueurs sur la faille de l'Invocateur. Allez, les gars, on est parti. Sentinelle contre Cicadas, balle de match Sentinelle. Allez, là, Svelan. Il faut envoyer de la force un petit peu les Cicadas qui jouent la survie ici sur ce BO3 de grande finale de cet arbre pro du Nexus Tour, bien sûr. Cover classique, évidemment, c'est pas le moment de prendre des risques. Bon, alors, qu'est-ce qu'on veut? Pas de monde jeu niveau 1, bon forcément, on n'avait pas de ce qu'il fallait en termes de runes. C'est du classique, alors, électrocuterie, très bien. Et quand même, dans un match-up mage, range, ça part sur la petite comète, on s'en sortira très bien et au top, bon, bah, on va se serrer la poigne. Bien entendu, bon, en même temps, on va pas attendre grand-chose d'un match-up en Xanté sur les 10 premières minutes. Potentiellement, avec le grand jeu de la part de Drali, on pourra essayer d'aller chercher des petits plays sympathiques. On sait de quoi le pic Xanté est capable, bien entendu. Mais voilà, pour le early, en tout cas, on devrait pas avoir trop de pression. Peut-être potentiellement, voilà, Toby qui peut aller prendre de voilà, Drali, mon ref. Il se passe des choses en top lane dont on aimerait avoir le secret, bien sûr. Mais bon, on s'amuse. Il faut encaisser parce que je pense que pour pas mal de joueurs, c'est peut-être une première scène aussi, donc la pression doit jouer un petit peu, surtout que là on est en balle de match, évidemment pour Sentinelle. Effectivement. Oh, j'aime bien ce que je vois, hein. Regarde déjà le côté Kiki pour Cicadas, on avait prévu. On va les counter jungle et je ne sais pas si c'est vu, je vois pas de ping passer, si je vois des pings. Il y a du Volibear effectivement qui est parti faire ce bleu buff avec derrière le Gromp qui a été mis en place. Qui va pouvoir récupérer tout ça, on va avoir une mauvaise surprise du coup potentiellement du côté de Chap. Il va falloir s'en rendre compte assez vite, c'est vrai qu'on n'a pas du tout de ward côté Sentinelle, on a une vite fait dans le tribush donc on sera potentiellement immunisé sur les premiers ganks. La ward intelligente de la part de la Nami sur cette botlane au niveau du tribush, pas de cheese possible du côté de Kiki à moins qu'on parte sur cette mid lane. Ok, bah du coup j'aime bien parce qu'on est censé dominer pour Lucian Nami avec un volley dans le dos. Et on n'est même pas sûr d'information. C'est très très dur de s'avancer, de jouer agressif. Et du coup, ça permet d'encaisser le premier wave pour la botlane Cicadas. Pour le moment, rien de spécifique. Volibear voilà, qui va retourner faire son clear tranquillement. Pendant ce temps-là sur stopside, eh bien, on essaie de prendre un petit peu l'avantage de proquer les poignes, hein, tout simplement.
ce Q-spell qui permet de farmer assez facilement du côté de Drali, mais qui va lui coûter beaucoup de mana au fur et à mesure de la partie. Et voilà, maintenant qu'il y a le souffle de feu de Horn, eh bien, il y a eu l'avantage très très net qui va se prendre en termes de HP. Il va falloir faire attention. On parle du fait qu'il ne devrait pas forcément se tuer, mais attention à ses prises de points de vie qui peuvent être dangereuses. On s'est rendu compte, hein, du côté de Chap pendant ce temps-là, sur la jungle. J'ai vu des pings, donc je pense qu'ils s'en doutaient fortement. Par contre, je me rends compte, je suis pas certain du duel Horn Xanté, mais le fait que Toby arrive à quand même à trouver le push, à slow push et justement à envoyer les waves sur la tour, ça donne quand même l'espace à Chap pour accepter le vertical et juste faire les camps de son adversaire. Ouais. Si Xanté avait eu le push, je sais pas s'il aurait pu compenser. On va voir s'il est capable de tenir. Bon, évidemment, voilà, le farming est compliqué, hein, sur les premiers niveaux. Il n'y a pas forcément le mana, il n'y a pas encore les dégâts également. On donne tout, c'est pas trop mal, c'est bien joué de la part de Drali. Kiki, lui, pendant ce temps-là, repère les potentielles incursions sur cette bot lane. On a vu les wards qui fade. Est-ce que Kiki peut essayer d'aller chercher? Attention, il y a un flash, la très bonne partition. Est-ce qu'on pourrait essayer de trouver Blade 40 qui est sous tourelle? On a le shield pour le moment, c'est pas trop mal. Les derniers tics d'Ignatius. Golden Bunny pour le first blood! Très très bien trouvé ici cet angle magnifique qui va en plus de ça chercher le reset, permettre le crash de wave. C'est très bien trouvé. Un first blood sur cette Jinx qui est désormais online. Ça va faire plaisir. Bon, il y a encore 2-3 ressources à aller récupérer pour vraiment pouvoir démolir cette game. Mais ça met très très bien le plan de jeu de Cicadas. Allez, Chap peut-être pour essayer de compenser avec un flash. Le bisou qui sera bien mindé. Louis a bien attendu. Et on conservera ses summoners pour la Mylène Cicadas. Kiki qui était derrière potentiellement en soutien. Pour essayer de lancer tout ça. Le pouce bien sûr. Pouce levé à vous. Ah, il connaît. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici maintenant pour Sentinelle? De toute façon, ils doivent essayer d'encaisser avec leur mid jungle. On va revoir ce play bot side. Bien sûr. Donc en vrai, on trouve quand même ce kill en 2v2. Et ça peut activer la Jinx comme on en parlait. Et une Jinx qui commence à avoir des ressources trop rapidement dans la game, ça va partir. Effectivement, probablement le Carquois Zénitien qui va arriver directement derrière avec du coup énormément de dégâts. Tout simplement au niveau de ce Lucian, mais ça va être difficile d'aller chercher l'agression. On voit qu'en plus de ça, il y a des problèmes de mana. Forcément, Lucian, c'est très manavore. Et derrière, forcément, ça va prendre de sacrés taquets. Pour la mine, il en tient. Hein. Pas trop de problèmes de CS. Cependant, on a bien rattrapé également du côté d'Alzé. Avec justement aucun décalage de CS. Il n'y a vraiment que ce First Blood qui fait la différence de gold pour le moment entre les deux équipes. On est resté une nouvelle de plus pour Melon. Il voulait absolument rien perdre. Du coup, évidemment, TP pour lui. Et on va pouvoir commencer également du côté de Harry. On va essayer de jouer rapidos, mais c'est pas méchant. Très fructueux, bien sûr, pour Cicadas. Et on va voir comment Volibear s'en sort, puisqu'il sort de base forcément avec lucidité. Il s'attaque au Grubs également. Il en prendra deux. Ouais, simplement deux pour le moment. Chap qui viendra évidemment contester la position. Allez en chercher un. Éviter. Bon, alors il y a encore la possibilité d'en avoir 5 du côté de Cicadas, mais au moins ça ralentit potentiellement du split push côté Cicadas. Et avec mine de rien une Jinx, on peut aller très très loin très vite, donc ça fera toujours du bien. Pas de réponse dragon, cependant la contestation des Grubs oblige. Allez, peut-être en mid lane. Melon une nouvelle fois, mais là ce coup-ci, aïe aïe aïe, il y a le soutien du support jungle des Cicadas en train de triompher les bonnes Blade qui semble désormais condamné ici sur ce petit roaming. Le foudroiement juste derrière et Louis s'offrira un kill. Très bien trouvé ici. Avec derrière cette magnifique interception du charme de la part de Lorenz. C'était lui, hein. Ils étaient là. Stratégiquement, ça me dérange pas côté Blade. C'est un bâtard qu'on a déjà vu. Mais c'était bien attendu pour Cicadas. Il n'y avait pas que le support qui était dans l'équation. Il y a vraiment Kiki et Lorenz. Et derrière, ça permet d'enchaîner évidemment sur ce dragon des océans en early. Ça fait plaisir, mine de rien. Permettre de sustain un petit peu, récupérer le mana. On sait qu'il y a quelques problèmes pour le moment de ce côté. Voici une potentielle solution dragon des montagnes en deuxième. Donc ce sera véritablement pour aller lock la soul. Côté Cicadas, il y a un vrai avantage au niveau des objectifs qui commencent à se dessiner. Belle pression de la part de Zwolibear. Ouais, là, je pense qu'on a changé un peu le rythme du jeu. Côté Cicadas, on passe le principe un peu plus rapidement. Un beau plan de jeu niveau intention topside. Attention, il y a grand jeu. Grand jeu qui ne touchera pas, c'est quoi cette Xbox? Alors que j'en ai vu des plus scandaleuses. Le jeu d'approche qui va être envoyé. Est-ce qu'on va aller chercher le duel? Les dégâts, attention, ça passe pas loin. Qui survivra de Toby qui a flash out. Ah, je sais pas s'il attendait un dernier Q-spell. Il s'est dit qu'il pouvait buffer l'auto au moment du flash. Non, c'est vraiment passé à rien. C'est vraiment passé à rien. Il va partir. Golden Penny avec un deuxième sniping de la botlane. Golden Penny ici qui récupère. Alors que Chap était dans le petit pixel bush, il aurait peut-être potentiellement pu l'intercepter s'il était simplement sur la gauche. Mais le sniper Golden Penny qui récupère ce deuxième kill quasiment en croisant les bras. Il y a un compas dans l'œil, le joueur suédois. Très très propre.
chirurgical, bien sûr, on va pouvoir l'avoir. Vraiment de la botlane qui cross. Et là, je vois pas beaucoup de ping partir, donc je sais pas si on avait les yeux vraiment rivés sur la map côté sentinelle. Et 3-0 désormais pour Cicadas. Ils sont pas encore envolés, mais c'est déjà une bonne avance. On a vu Chap essayer de faire une petite réaction, de faire le petit sidestep, mais c'était déjà trop tard. La roquette était lancée à pleine vitesse, tel le season final de Arcane. Oh. On enchaînait directement sur la suite. Donc la saison 2, c'est Horn qui explose. La saison 2, c'est Horn qui explose, visiblement. Vous êtes désormais spoilé. Alors je sais pas, je pense qu'il y avait potentiellement un play flash, je sais pas s'il avait à ce moment-là. Mais bon, ça quand même, récupère quand même deux kills déjà pour la Jinx. On a un Lucian Nami qui est pas en retard, mais qui n'est pas activé non plus. Un Chap qui veut jouer des ressources. Bon, on connaît, il aime bien jouer les camps au repop. C'est un jungler plus, on va dire, de type contrôle quand il peut. Et surtout, s'il va pouvoir counter, s'il peut récupérer des ressources, il va s'en occuper. Clairement. Le truc, c'est que là, Volibear aussi est largement activé. Il passe à l'offensive plus souvent et surtout, ça passe. Et ça crée un différentiel. Effectivement. Chap qui va justement avoir sa paranoïa, grosse pression potentielle, ça peut aller chercher... Alors c'est un peu tard, hein, mine de rien, le clear n'a pas été extrêmement successful, il est bien en termes de CSing, mais on a déjà niveau 7 et 8 sur les solo lanes, donc les gangs vont être peut-être un petit peu plus compliqués à aller chercher. En tout cas, ça va permettre effectivement de reprendre du contrôle de map et potentiellement des objectifs. On voit cependant que Lorenz ici met une très très bonne vision, on veut contrôler ce Nocturne, et a raison. Ouais, le problème c'est qu'avec toutes ces interactions, bottes de mercure pour Harry, elles sont bonnes, elles sont très très bonnes, elles sont en promotion limite, elles ont de la valeur. Le truc c'est que là il y a une paranoïa qui part, il faut être sûr de tuer, je sais pas si on a les dégâts actuellement, et donc ce deuxième dragon est-il jouable pour Sentinelle? Ça paraît compliqué, il y a une bonne pression bot lane ici, on va pouvoir aller chercher potentiellement un crash, si jamais Golden Penny Rocket, cela dit, ça devrait pouvoir le temporiser, melon lui doit aller également mettre cette pression. C'est pas trop mal hein, sur les premiers niveaux avec Harry, c'est très facile à aller trouver. Ça va être trouvé également du côté de Sentinelle. Ok, c'est pas trop mal. Ah, j'aime bien l'incursion de Chap. Ouais, en plus, soutenu par la Harry, on n'est pas vu, je crois. Je vois quand même quelques pics. Oh, probablement tentative en bot avec cette entrée triomphale. On va l'encaisser et derrière, Chap derrière, va le paguer. Ça va être très compliqué. Tempête incarnée qui va tuer Midair. SFDR qui part aussi également sur Blade. Melon arrivera à s'extirper. Mais sur ce counter jungle, Sentinelle se fait taper sur les doigts. Gros nounours, maître, grosse baffe, Chap ici, hein, s'incline. On avait la SMDR qui était bien cadrée également sur le pit de dragon. Est-ce qu'on a envie d'en terminer ici? Alzé qui met quand même de bons dégâts. Très très bonne réaction de la part de Cicadas qui ne laisse pas passer cette petite attaque dans la jungle. Au niveau du red buff, on va voir ce replay. Vous voyez la tempête incarnée qui passe vraiment à travers le mur. Trop d'effet, trop de puissance. Et la SMDR en plus, vraiment juste au cas où. Très bon moment ici de la part de Cicadas, très bonne communication. Et les Sentinelles du coup ici qui continuent de s'empaler. On veut créer du jeu, on veut créer des occasions d'enfoncer un peu plus l'adversaire. Mais pour le moment, ça ne passe pas 4-0 pour le moment dans cette game. Ah, on se sent bien, sortie de base hein, pour Lorenz, mid lane. Il n'a pas encore son niveau 6. Je sais pas, je pense qu'il n'en est pas loin. Il pourrait gratter un peu d'XP sur cette prochaine wave. Et avec le 6 sur Akan, ça me semble compliqué de contester ses grubs. La paranoïa est toujours dans le tiroir, mais on manque d'items hein, forcément pour Melon. On est un tout petit peu en retard pour Blade, qui est moins sur le timing. Et Alzé, qui va devoir récupérer cette wave bot. Je sais pas si on va l'investir. Ouais, premier grub qui va être sécurisé. Attention, on en avait déjà deux. On peut arriver au niveau des 5 grubs. Ça peut encore une fois permettre un split push quasiment gratuit. Chap ne peut pas y aller. Blade en soutien. Melon peut-être. Lorenz qui fait office de police entre les deux camps. 4 grubs, on va probablement en recéder un, ce qui fait 4-2, ça permettra de désengager le buff. On est très content de ce résultat. Midlane. Oh oui, Midlane. Sur une initiation de Lorenz, on a puni le mauvais placement de Blade avec juste deux ultimates, une entrée triomphale. Coup dur ici, visiblement l'ultime de cette Syndra a été investi. Et derrière, forcément, quand tu t'appelles Nami... Non, c'est pas, je crois. Le déferlement de puissance est là, non, juste dans l'ultime et entrée triomphale. Oh, c'est moi. Donc non mais on en profite, on est devant et Sentinelle ici ont quand même décidé de jouer le move même s'ils étaient en retard, ils ont pris des photos, c'est vrai qu'ils ne récupèrent rien en plus de concéder un kill, l'ouverture est quand même ok, on va essayer de contester ce dragon mais une nouvelle fois je réitère mon propos, je ne sais pas si on peut. Pour le moment ça a l'air d'aller, il y a une belle priorité bot qui permet à Alzé et à Blade de se décaler. Louis cependant a pu renvoyer la même chose sur cette mid lane. Ok, c'est pas trop mal, on a de la chance, Kiki est un peu hors timing. Si on accélère juste ici, on a le smite, tout ira bien, le dragon sera temporisé. Ce sera une âme infernale pour la deuxième fois consécutive de ce BO.
Oh. Ah, ça déclenche. Et la paranoïa qui part, le bisou qui était bon, ça passe. Et lui va finir par tomber, c'est propre. Derrière, il y a TB Toby, on pourrait aller un tout petit peu plus loin. Dieu de la Force qui va être envoyé, ça connecte. Pas de follow-up. Ça offre un petit peu d'espace, on va concéder une ou deux plays tout top. C'est pas grave. Ah, bon, Drali forcément qui se fait plaisir. Voilà, l'utilité des Grubs ici, de compenser un petit peu vis-à-vis du reste de la carte. Maintenant, setting edge de la part de Nocturne ne laisse vraiment aucune chance à Louis. Ici, avec le spell shield, on est complètement capable de tanker la dispersion des faibles. Et derrière, aucune inquiétude. Premier kill, le déverrouillé côté sentinelle. Et c'est sur Chape, justement. Ouais, non, là, c'est pas mal, ça fait plaisir. Belle aussi opportunité de saisie sur la fin du dragon. On reprenait les positions et on s'est un petit peu split pour Cicada. C'est, ça passe, hein. Paranoïa, il faut le up, fear into. Bisous. Très propre, très bien réalisé ici de la part des sentinelles. Maintenant, il faut continuer un petit peu comme ça. Toby, lui, vu qu'il n'est pas inquiété, peut continuer de solo XP sur sa top lane. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Ça allait permettre d'upgrader les items. On voit que le statique est déjà de sortie du côté d'Alzé. Il y aura potentiellement, évidemment, d'autres items qu'on veut aller chercher. Petite parenthèse cependant, la Jinx, elle a déjà son Kraken, on l'investit directement. C'est, ouais, pas de crochet statique, hein, bien sûr. Ça comparait tout droit. Items, là où, côté Alzé, bon, on a fait... voilà, le petit achat plutôt classique, hein. C'est un objet qui coûte peu cher et qui top beaucoup de choses. Et qui marche bien en plus de ça sur Lucian. Il y a quelques ratios AP donc après tout, pourquoi pas. Petite altercation mid, ok, on investit l'ultime, la très bonne dispersion, les dégâts sont très très bons, mais ça force l'ulti du côté de Louis. Il va falloir donc temporiser, en tout cas ça renvoie melon dans les cordes. En bot side, hein. Là, il y a un rat de marée qui va s'abattre probablement sur Blade. Et Blade. Ce choc mid lane, même s'il y a une TP pour melon, il sera peut-être pas sur le timing. Kiki qui arrive à 4 pattes directement, tempête incarnée, on va sauter, on va stun l'ennemi de Blade. SMDR qui sera flashé par les deux, attention de l'autre côté du fight. On va réussir à trouver Louis, Syndra va tomber, c'est pas terminé peut-être. On envoie derrière, on va essayer de repousser directement vers cette T1 bot. Très compliqué ici, les deux flashs de la bot lane qui étaient extrêmement bien joués. Même pas de flash d'ailleurs d'Alzé, c'était juste le dash. La poursuite inlassable de la part de Solucian qui permet de se mettre hors de la range de la tempête incarnée. Derrière, oui, le stun connect sur Blade, mais avec le flash out, on peut aller derrière récupérer Louis seul dans le tree bush. Cette décale ici a peut-être manqué un petit peu d'inside. On aurait voulu aller target directement la DC pour vraiment l'enfoncer jusqu'au bout. Et on s'est dispersé. On se dit, on focus la personne qui a pas de tête, mais Alzé, Blade avait quand même flash. Et je pense qu'on n'était pas si bien coordonnés. L'angle était bon. L'angle était très bon. Je pensais qu'on pouvait vraiment prendre beaucoup plus que ça pour Cicadas. Et on se fait ramener à l'ordre. Sentinelle ne lâche rien. Et en vrai, ça permet vraiment de s'offrir, pas un comeback, mais tu tombes dans la game, tu encaisses cette tentative. Et en plus, tu sors gagnant. Bah pour une game qui est en 5-2, effectivement, les sentinelles sont pas si loin derrière. Ouais. En plus de ça, on est en train de reprendre le contrôle au niveau de ce topside. Bon, alors attention, par contre, il y a beaucoup de monde qui est en train d'arriver. On voit Drali, on voit Melon, on voit Louis qui sont en train de s'approcher. Le risque d'être du héros de la faille, on veut essayer d'aller chercher Ningate peut-être. Ouais, Paranoïa directement, le flash de Louis aussi, mais je ne sais pas s'il va pouvoir jouer une nouvelle prochaine. Ouais. Enfin, en plus, c'est excellent. On va tenter une riposte pour Cicadas et ce coup-ci, c'est eux qui encaissent un play sentinelle. Ouais, ça fait très mal. Chape ici qui doit obligatoirement... Oh, attention chez vous. Faut les tenter, baisser la tête. Le Chape qui va devoir rester en retrait pour le moment. Polybert qui, lui, va pouvoir aller chercher ce héros de la faille. Toby qui vient contester. Bon, après, on n'a pas énormément de dégâts pour le moment sur la mid lane. Sur la mid lane, attention Drali. Bon, c'est Tank Santé, donc il ne devrait pas avoir de problème. Oui, voilà, pour Nazuma. Champion, allez hop. De fou, là. C'est bien que Santé, hein, c'est pas mal. Hein. Allez, un sort, hein, qui permet de dasher et d'être insensible au contrôle. Allez, on va regarder cette T1. On pourrait potentiellement la jouer. Le rôle d'après qui va être récupéré de notre côté. Le truc, c'est est-ce qu'on investit Jack topside puisque Drali défend T1 mid, par contre T1 top, personne ne la défend. Ouais, effectivement, et ça y est, c'est récupéré les Grubs qui permettent de faire fondre cette tourelle. Toujours plus d'argent pour Golden Penny. Bon, alors malheureusement, les plaques sont déjà tombées, donc ça ne fera pas de revenus supplémentaires, mais c'est déjà pas mal. En plus de ça, le héros de la faille sécurisé enfin par Kiki, ce qui veut potentiellement dire toujours plus de dégâts au niveau de cette mid lane. On devrait pouvoir mettre désormais la bot lane des Cicadas au niveau du mid et donc appuyer potentiellement pour le contrôle des objectifs avec ce dragon qui revient dans une minute. Ouais, j'ai l'impression que si Cicadas commence à bien reprendre le rythme et surtout à tenir le rythme, tu prends la position sur l'objectif, Sentinelle vient quand même essayer de contester. Il joue sur leur expérience pour essayer de catch sur les sets avant et pas directement sur l'objectif ou venir le 50-50. Ouais, on va tenter cette tentative. Et ben on se retrouve sans paranoïa, sans assaut spirituel. Et on n'a plus grand chose côté sentinelle dès qu'on n'a plus ses ultimates. Ouais, le dragon n'est pas encore arrivé, donc on pourrait pouvoir récupérer cette paranoïa. Pas sûr pour l'appel du dieu de la forge, cela dit. On temporise du mieux qu'on peut côté sentinelle. Mais on a déjà commencé à prendre un petit peu la pression côté Cicada. Si on arrive à récupérer cette prio bot, ça pourrait déjà faire très très mal. Potentiellement même poser le héros de la faille directement vers le bas.
C'est une santé qui garde la priorité tout seul. Voilà, face à 12 joueurs, Dragon start et dans par les Cicadas, mais Sentinelle ne l'entend pas de cette oreille. Attention, oh, derrière le stun, là dans ce type de la part de Lorenz, la tempête incarnée. On essaie de mettre énormément de dégâts, c'est pas trop mal au niveau du bump. Derrière Melon qui s'insère pour essayer de trouver les Rizel qui passeront bien. Lorenz qui finira par s'incliner, mais Drali dans le dos qui fait un travail absolument monstrueux sur cette bataille. Oh, Melon, derrière Melon, les Rizel qui font très bien le travail, mais le grand jeu de la part de Xanté, on sait ce que ça peut donner. Alze qui arrivera sur le Durian Q3 qui sera 5 step par la DC Sentinel qui finira par tomber. Et derrière, c'est un 3 pour 3. On va réussir à tenir. Le dragon ne sera pas effectué, mais bon fight pour les Sentinelles que je ne vais pas tenir aussi bien. Melon qui a bien séparé le fight et on n'a pas réussi à trouver tout ce qu'on voulait côté Cicadas. Et finalement, on s'en sort pas si mal. Et on va retourner directement autour de cet objectif neutre. Ah, il faut reprendre très vite cette priorité. Il y a une occasion d'aller chercher potentiellement encore une fois ce héros de la faille qui n'a pas été posé. Volibear qui va aller directement le mettre en place. Cette tour ennemie qui du coup paraît bien fragile. Il y a toujours 4 mobs. Et Jinx du coup ne peut pas taper. Golden Spear est complètement zoné. Il fait pas encore assez peur. En tout cas à Melon et à Alze. Charme qui touche. Superbe. Magnifique effectivement. Derrière bon, on récupérera quand même Alze avec Xanté bien sûr. On y a cru là, mais bon, là c'était compliqué. Mais ça clique quand même des deux côtés. Dragon repris par Sentinelle. Ça clique bien. Et ça part en contestation de position. Ça dire qu'il part peut-être un peu tôt, mais c'est juste pour Chunk, l'HP du Lucian. Et ben on a genre déjà un tir HP en moins. Le dragon effectivement qui prend très cher pour le moment. On reprend la position. Lorenz en avant, on a plein d'insultes team qui vient de revenir. Off cooldown. Le bon poke sur Toby ici. Attention le tsunami directement. Melon, qu'un an potentiellement. Le Melon sur la tête finie. Il ne pourra peut-être pas trouver un bon fight. Cependant, il est encore en vie. On va finir par tomber du côté de Toby ainsi. Ça se passe par Améa directement sur Jinx. Il ne peut absolument rien faire. Et Sentinelle, il trouve un excellent team fight qui vont probablement envoyer ses cadavres dans les cordes. La véritable percute. Sentinelle trouve un fight de fou. Melon, incroyable le flanking de la part de cet Harry qui va directement trouver les carries. Louis Golden Penny qui ne peuvent pas s'exprimer. Kiki et Drali en office de frontlane, mais qui ne peuvent rien faire sans le grand jeu de Xanté qui vient de revenir. Chape qui termine derrière le travail. Lorenz qui zone du mieux qu'il peut, mais ça ne suffira pas ce dragon. Et désormais côté Sentinelle, on revient à l'équilibre en termes de goal et on prend une T1 mid en prime. Waouh. Alors il y a une T1 bat qui va suivre, mais peut-être pas dans l'immédiat. J'espère qu'on va revoir le fight parce que, bon, évidemment, il y a flanking de Melon. Mais en vrai, il y a vraiment un travail le follow-up, plutôt collectif. C'est pas mal. Et on a attendu de presser la détente pour Chape. Et dès qu'on a vu que la Jinx complètement esselée, qui avait déjà quasiment tout perdu, on a juste déclenché. Et du coup, sans Jinx, difficile pour Cicadas. Petite T1 bot au passage, comme ça c'est fait. Le Baron Asher qui fait son entrée, bien sûr. Merci à nos ops. Derrière, bah effectivement, Sentinelle qui du coup se remet en très bonne position, qui va avoir maintenant le contrôle de déverrouiller avec cette mid lane. La T1 top n'a qu'à bien se tenir également. Et derrière, le Baron Asher qui vient d'apparaître pourrait devenir la prochaine cible. Ouais, ça va être compliqué ici. Du coup, on repasse devant côté Sentinelle. Et là, pour Cicadas, contester le position, c'est plus compliqué. Lorenz qui est obligé de s'extirper d'un shield et d'une entrée triomphale. On n'est pas sur le timing côté Syndra puisque Louis est en train de remonter sans TP. Il y a un petit tank pour Sentinelle qui se permet de contester de nouveau cette priorité mid lane. Allez, alors on a récupéré le carapateur quand même du côté de Cicadas, donc au moins la vision sera mise en place. Attention par contre, Rally ici, le face check de la part de Toby, il peut se le permettre. Il est solide, hein, le Toby, il est solide et il a même tout un fan club. Donc on peut lui faire confiance. Derrière, effectivement, voilà, les Cicadas qui veulent reprendre un petit peu cette pression bot. Comme on a perdu la T1 mid, on est obligé de reprendre le contrôle. Maintenant que c'est fait, eh bien la vision leur a échappé. Il faut désormais reprendre un petit peu tout ceci. Lorenz qui est loin, ok, dispersion des faibles qui est pas trop mal. Attention Lorenz, oh, un très gros chunk de la part d'Alze. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais le canon ultra rapide est de sortie désormais. Ouais, c'est effectivement, et il y a beaucoup de dégâts quand même pour ce Lucian qui a le mandat impérial. On a perdu bien sûr l'interaction avec Nami et sa bénédiction de l'aquamancienne. On a envoyé Melon sur le topside juste pour pressuriser cette wave et menacer prise de T1, stun qui connecte, mais là c'est juste du bluff. Côté Sentinelle, on peut pas appuyer sur la gâchette tout de suite et on va laisser tranquillement Melon récupérer une T1 solo. Et là c'est propre pour Sentinelle, c'est bien ce qu'ils font. C'est pas trop mal effectivement. Ça y est, toutes les T1 sont tombées et donc maintenant la pression au niveau de ce baron est totale. Alors il reste le carapateur encore une fois, la très bonne prise de guerre de la part de Cicadas, mais ça ne empêchera pas les Sentinelles d'aller engager. Pour le moment, Melon reste encore une fois en flanking. Il y a encore une fois cette ulti disponible. Est-ce qu'on peut tenter quelque chose de la part de Lorenz et Kiki? C'est dur, hein, c'est dur de rentrer avec Rakan Volibear. Tu dois éviter des ramards et des bulles, des bisous, lieu de la farchi peut être invoqué. Et on va concéder ce baron, quoique TP investi par Drali. On veut se battre.
On a très envie d'y aller. Drali en frontline directement. Lorenz avec la danse ultime peut-être qu'il peut essayer de trouver. Melon toujours en flanking. Attention ce stun qui peut faire très très mal. On veut turn directement sur cet Ari. Obligé de se replier pendant ce temps au niveau du baron. C'est pas trop mal. Chape avec cette paranoïa pour aller target directement. La Louis ici qui pourrait être très cher. L'edge de ce trap d'attention derrière à gauche. Drali qui est complètement engagé. Ouh, Sentinelle qui arrive à un peu à créer la déblack. On a supprimé les deux caricotés. Cicadas, il faut maintenant s'incliner et pour Melon concéder l'objectif neutre. On va reprendre tranquillement, mais on n'a plus la tempête incarnée de la part de Kiki. On a perdu les deux caries côté Cicadas. Est-ce qu'on a seulement les dégâts pour contester? Allez, Kiki, je sais pas s'il a envie de le faire, mais il va menacer en étant derrière la corniche. Flash, bulbe explosif et smite sont dans la poche pour le jungler Cicadas. Il fait peur quand même, ce Bolibert, mais c'est pas pour ses dégâts. Il a une bonne position, il a pas la vision cependant. C'est dommage qu'on ait pas une pink ici, ça pourrait être pratique. Oh. Allez, flip, oh, flip burger, le flip, ça c'est pas ça, il va être remporté par Chapeçon. Au cœur flash out d'instant de Kiki qui va se faire réclamer. Derrière, Raken Valfield dans la tombe, joli stun de Louis. Attention, qui a un strike sur Larry. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose avec Xanté, ce champion de fou qui tiendra 3 personnes, mais il va finalement reculer face il à tient, la tentative de Chapeçon. Qui tient un stun sur 2 personnes de Louis, mais ils vont réussir à tenir ce fight. Flash out forcé, c'est un baron nageur du coup seulement sur 2 personnes côté Sentinelle. Le comeback de ce baron fait tellement mal. La TP Tindra a eu une valeur de fou. Et on l'a investi et joli retour sur investissement quand même côté Cicadas. Oh que oui. Une TM qui va pouvoir être sécurisé, tu l'as dit, on a enlevé le baron sur un horde qui va pas menacer de split et on l'a du coup finalement plutôt que sur le groupe de 5 avec Alzé. On va revoir ce fight évidemment, voilà Kiki qui tente, ça ne passera pas, la téléportation en plein milieu de la part de cette Syndra qui fait tellement mal, Drali également qui fait un travail de tanking assez exceptionnel. Forcément on n'a plus de ressources après ce Baron Asher. Non mais regardez-moi ce champion, il a même pas le grand jeu, il y va nature peinture. Louis derrière qui fait un excellent travail de kiting, on récupère l'excellente dispersion des faibles sur Chap et derrière forcément Toby forcé à flash out. On s'est un peu perdu, hein. Or, on aurait vraiment dû rester autour de Xanté, mais dans cette situation tu te dis forcément, bon ouais, il est... 3v1, ils vont le terminer, tranquille, parce que du coup, enfin, ils zone Syndra malgré tout, donc à voir, mais fight remporté par Cicadas, qui ont déjà la position, pas autour de ce dragon, mais qui attendent que Sentinelle investisse, et ils ont de quoi la retech. Ouais, maintenant on a tous les ultimes qui sont de nouveau disponibles. On a le flash sur Golden Penny, donc on pourra sécuriser un peu plus ce carry ADC. Oui. Attention, ce genre de charge qui fait très mal. Mon dieu, le tsunami derrière. Excellent backup, Sharp qui peut aller chercher directement. Chef. La backline avec tout le soutien de la support Sentinel et Drali. Drali et Kiki, bah, ils sont en frontline, mais il n'y a plus de frontline en fait. Melon qui n'en avait pas terminé. On cancel les bacs qui était de aller chercher avec Baron Ashor. Est-ce que Sentinel prenne le risque? Est-ce que Sentinel voit une fin de game? Ça me semble compliqué, mais au moins la T3 va tomber. Et l'inhibiteur, je vois quelques pings partir. Il y a un baron. Avec cette prise de dragon. On va être rigoureux pour Sentinel. Ouais, on va être rigoureux. Il y a juste l'inhibiteur, c'est déjà pas mal. C'est vrai que Drali peut encore faire peur. Il y a le grand jeu. Ce serait pas le moment d'aller flip ça. On a récupéré un avantage certain. Troisième dragon qui va être terminé par Chap incessamment sous peu. Et derrière, beaucoup de damage. Forcément. Quel fight! Quel Kiki, fight! Qui passe à l'offensive, j'ai l'impression, sur la tête. Ah, je pense qu'on a. C'est compliqué? D'achat, non, on a juste. Il y a une roquette qui est passée. Isoké, okay, dragon validé, troisième dragon pour Sentinel, on se sort bien, joli fight, le rat de Marie qui a traversé depuis la mid lane sur la Jinx. La position était pas mauvaise, il meurt avec son flash en plus, Golden Penny, mais je crois que l'angle du rat de Marie est vraiment pile poil pour qu'il soit mieux, je crois que c'est ça. La vision de jeu de la part de Blade 40 qui derrière va récupérer toute la backlane avec un tsunami, Chap qui est free DPS en plein milieu de Golden Penny et de Louis. Lorenz, Kiki et Drali qui étaient en frontline, bah forcément qui veulent essayer de mettre de la pression et qui se font complètement zoner par Toby et par Blade derrière avec les bonnes bubules. Et derrière, bah en fait, c'est free fight. Melon effectivement qui en plus de ça avait ses resets. Donc vraiment un fight administré d'une main de maître. Un bel... Il y a des bonnes prises de fight quand même pour Sentinel, on est patient et on sait ce qu'on veut, donc toujours respect de plan de jeu, un peu ce qu'on a vu à l'image de la game précédente où c'était un peu serré au début et c'est quand on commence à arriver sur les spikes d'items et sur les vraies contestations d'objectifs, Sentinel se montre un peu plus propre que Cicadas. On perdra peut-être cette tourelle bot tout de même. Ça fera toujours ça de prévu avec je sais pas s'il y a des la shutdown. La méta shutdown qui se fait. Bon, alors par contre, la sanction directe au niveau de ce topside. On n'a plus le Baron Asher, mais ça fait quand même très mal. Ah, Lorenz qui a pas de but. Si on voulait cancel peut-être quelques récoltes, mais Melon qui va réussir à temporiser avec la stasi, l'assaut spirituel. Pas de flash, malheureusement. L'assaut est bon. Les il est bien maïdé derrière. Il va trouver un kill en AV de Melon. Il peut le faire peut-être. Attends.
attention Melon, il y a les cooldowns qui reviennent, l'excellent flash out de la part de Lorenz. Là, derrière en mid-lane. On enchaîne avec Chap pour potentiellement aller terminer cette game. On a vu l'angle, la botlane qui n'est plus là, il y a une super sbire qui mène la charge. Est-ce qu'on peut déjà terminer ce BO3, les sentinelles qui vont tout droit de rally, qui donnent tout pour le moment. Allez, c'est le bar en l'air pour les Cicadas Gaming. Malheureusement, on est un peu tout seul pour la top lane des Cicadas. On va essayer de faire la carnet de venir en santé. Q3 sur deux joueurs. Bolivar va finir par tourner. Il faut tout mettre maintenant pour Sentinelle si on veut. Et c'est terminé. C'est terminé. Qui va aller chercher le 2-0. 7 face à Cicadas Gaming. Les Sentinelles qui prennent l'avantage. Qui donne tout et qui remporte cette Gamers Assembly 2024, ce Nexus Tour. Une grande finale amplement méritée de la part de cette équipe qui nous a servi du rêve tout du long de game. Masterclass, un plan de jeu impeccable. Oui, il y a des petites erreurs, mais forcément en LAN, tout est toujours possible. Pas face à Sentinelle. Waouh, 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 Sentinelle qui nous lâche un sacré BO. C'est pas gagné tout de suite minute 1 et à chaque fois ils enchaînent les bonnes actions, les bons objectifs, les bonnes prises et surtout toujours jouer sur ton plan de jeu, sur le plan de jeu adverse. Ici c'était Golden Penny ne doit pas jouer. Et dès qu'on a commencé à jouer autour de ça, à d'abord claquer les CD pour prendre les flashs, pour donner une mauvaise position ou chunk la Jinx, c'est après que la paranoïa arrive et pas avant pour forcer, pour trop hard forcer dessus. Vraiment très très propre de la part des Sentinelles qui remportent ce BO 2-0. En tout cas, GG aux deux très équipes. Propre. De toute façon, il y aura des briefs pour l'interview juste derrière. On va laisser la main à nos hosts. Merci, merci à toi d'avoir cassé. Merci à la régie, à la technique, bien sûr. Ce fut énormissime. Et on va laisser la main à nos hosts. Eh bien, Gamer Assembly, on peut applaudir encore une fois. Sentinelles, s'il vous plaît. Incroyable game. Le clutch de Melon, le clutch factor. C'était la diff. Melon le dieu. Non, un truc de fou. Melon, incroyable. Quel clutch de ta part. T'as un riz incroyable. Messieurs les casters, merci beaucoup en tout cas. Le cast incroyable, ouais, comme d'habitude. Je voudrais remercier donc les 5 casters qui étaient là. Ouais. Sniff, Gana, Luffy, Warbo, Kriller et Keya. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Venez nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Melon, je suis obligé de te donner le micro. C'est allumé, t'inquiète. On m'entend là? Oui, ouais. Incroyable. Ben, clutch factor de la game, t'as trouvé des moves et des engages de fou furieux, des flanques de fou furieux. T'étais dans quel état d'esprit pour y arriver là? Bah, j'étais très frustré de ma première game, parce que j'étais pas du tout à l'aise et mécaniquement j'avais du mal à cliquer, j'ai mis une shockwave dans le vent, c'était terrible. Ouais. Et du coup, deuxième game, je me suis dit, bon, on est à 1-0, ma team elle joue bien, je vais me désinhiber, je vais jouer à fond, je vais jouer agressif et c'est passé. Ok, moi j'avais une petite question aussi, c'est quand vous êtes en 0-6, comment vous faites pour vous dire, bon, on va quand même essayer de jouer un plan de jeu et revenir? Comment vous arrivez à clutch 5 à 5? En fait, on sait que, en vrai, on sait qu'individuellement, on est tous très solides dans les fights et on sait qu'on a une belle compo. Ouais. Donc on savait aussi que Jinx n'avait pas cleanse et ça, pour le coup, ça met en confiance puisqu'elle a beaucoup de kills, on sait qu'il est très fort. Mais s'il prend un bisou, c'est fini, quoi. Ouais. Et du coup, bah, on est resté confiant. Ok. On a pris ce qu'on a pu prendre et petit à petit, on a comeback sur des bons fights. Le jeu de vision et le flank à kiff. Voilà. Incroyable. On peut applaudir, s'il vous plaît. Clutch Factor, Melon, The God, bien sûr. Avancez-vous, mes loulous. Avancez-vous un petit peu. C'est vrai qu'il a fait la diff. Non, il a fait la diff. Sur ce match, il aura fait la diff. Aussi, avancez-vous aussi. Cicadas. Ouais, les amis. Hein, parce que Cicadas, ils sont pas démérités. Ah non. Non plus. Est-ce qu'il y en a un qui a un petit micro? C'est bon? Ouais, c'est bon. Cicadas. Manager. Bon, mes loulous. Vous êtes arrivé ici, déjà, bon, votre team Valorant, elle a fait la première place. Vous n'avez pas démérité en faisant une deuxième place en LAN. Comment vous êtes là? Même si vous avez perdu, est-ce que vous êtes heureux? Heureux du parcours. On ne peut jamais être heureux de perdre une finale quand même. Mais la compétition, elle est encore longue. Et c'était la première fois qu'on s'affrontait avec Sentinelle. Voilà, ouais, c'est ça. Et donc, ce ne sera pas la dernière, je pense. Exactement. Donc du coup, c'est un groupe, j'imagine que cette LAN, elle vous a un peu soudé. Du coup, est-ce que vous sentez que vous avez quand même pris en expérience, en confiance sur cette LAN? Oui, la première fois pour plein de joueurs on stage. Ouais. La première fois à ce niveau de compétition pour plein de joueurs aussi. Des rookies, des joueurs inter. Donc, on prend tout. On prend tout et c'est encore le début. Ok, mais on peut les applaudir, s'il vous plaît. Cicadas, qui n'ont pas démérité. Mesdames et messieurs, nous allons donc passer à la remise des prix, mesdames et messieurs. En deuxième place,
Non, il y a les troisièmes. Et les troisièmes, ils sont là. Je crois qu'ils sont là. Vas-y, en régie. Non, ils sont pas là. Ah, pardon. Non, ils sont pas là. Ils sont pas là. T'inquiète pas de soucis, mon ref. Mesdames et messieurs, en deuxième place, avec un cash prize de 2500 euros, Cicadas. Cicadas qui repart avec un chèque de 2500 euros, les amis. Hein. Et 250 points sur le Nexus Tour France, bien sûr. Exactement. Mais messieurs, dames de la Gamer Assembly, je voudrais qu'on fasse une ovation pour les champions de ce tournoi League of Legends. J'appelle Sentinelle. Incroyable. Ils repartent donc avec 5000 moulins. 5000 euros, 400 puntos pour le Nexus Tour. Exactement. 400 points, mon ami. C'est énorme, énorme. Incroyable. Et on va lever le trophée. Allez. Magnifique. Voilà. Allez. Sentinelle. Ouais, Melon le clutch. Bien sûr. Messieurs, avancez-vous, on va faire des petites photos. N'hésitez pas à vous avancer un petit peu. Allez-y aussi, avancez-vous. Allez-y, allez-y. On va prendre une photo tous ensemble. Allez-y, les amis, avancez-vous. Incroyable, petite photo. Petite photo, les amis. Eh oui. Allez, les gars, allez-y. Gamer Assembly 2024, est-ce qu'on peut les applaudir pour dire une dernière fois, s'il vous plaît? Incroyable. Ah, ils le méritent, hein. Les deux équipes le méritent. Hein. Elles ont été exceptionnelles sur cette finale, hein. Vraiment. C'était une très très belle finale, ça fait plaisir. Eh bien, je vous remercie, messieurs. Vous pouvez repartir en backstage, ça y est, vous avez bien mérité votre repos. Ce soir, c'est bière. Ah, amusez-vous ouais. bien, fêtez ça. Et à la prochaine, on les applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Merci les gars. Et merci beaucoup, on attend les dernières photos et c'est bon. Merci à Cicadas qui n'ont pas démérité, mesdames et messieurs. Ah ouais. Waouh. Waouh, 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 waouh. Quel game.